Papa, merci d'accepter l'invitation. Merci encore une fois de plus. Sans pour autant vous prendre beaucoup de temps pendant ce temps qu'il avance avec son interprète. Je crois qu'il est déjà là. Alors, s'il n'est pas encore là, on va commencer avec le nôtre et va nous rejoindre après. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous allons prier. Taomba. Mungu Baba. Mina kuachia makutano emu mikono yako. We njori bakufia kumsalaba. Palo rianza kumuanga damu yako. Siku kuwako. Hakukwe muntu. Hakuna ta muntu mwari kusaidi. Mumateso. Ya kubamba babantwa. Mina kuriria. Unipe michima yabo. Moto yako ikachome kumyoyo mimi na Mungu ila kutse Mungu tumika jeune fille tumika jeune garçon uko kote ni chima yabo kwako wewe alafu moto imwangike naye makutano mina kuachia hapa Mungu ubatumike umabambe panda na babote kwako wewe Mungu wa mbinguni Bwana neema yako itawale mumakutano katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunaomba hivi. Amen. Vous allez m'excuser vraiment. J'ai besoin de l'aide. Vous allez souffrir, hein? Vous savez, moi je suis un Antonov. Je transpire comme vous n'avez pas aidé. Alors j'ai besoin de l'air pour que je ne m'étouffe pas. Vous avez une très belle salle, mais elle n'est pas assez aérée. De telle manière que des gens comme nous, nous puissions respirer tout en suivant le culte. Tout ce que je veux te demander, c'est que pendant que j'enseigne, tu pries dans ton cœur. Je ne sais pas ce que Dieu est capable de faire aujourd'hui dans ta vie. Suis-moi. Avec des prières. Na maombi. Je ne sais pas tu viens d'où. Si Dieu on a toka wapi. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit sur moi. Si Dieu kile bari kuambia juu yangu. En négatif ou en positif. Ikwe ya mzuri wala ya mbaya. Tout ce que je sais. Kile mina jua. Leo. Aujourd'hui. Utalungua. Tu vas brûler. Kwe na angalisho kabisa. Et calme. Na ukwe kimia. Nous allons y aller doucement, doucement. Tutaenda pole pole, pole pole. Jusqu'à ce que. Mpaka wakati. Nous allons atteindre le point le plus haut. Ya pale tutapanda juu kabisa. Ce soir. Mangaribia leo. Je voudrais te faire voir. Minapenda ni kuoneshe. Kakintu kamoya kadoko kabisa capable de t'arrêter yenye na uwezaji ya kukushimamisha afin que tu ne voyes pas ili usione des choses nouvelles dans ta vie bitu bya zamani mu maisha yako ne croyez pas que le diable a beaucoup a besoin de
beaucoup de choses. Ah oui, usizanie kama shetani anahitaji vitu vya mingi. Pour te compliquer. Ili akuvurushe. Il n'en a pas besoin. Haitaji ile. Parfois il s'arrête uniquement à un seul point. Na mara nyingine anashimamaka tu pa nukta moja. Il découle. Na pala na piga. Il découle, il t'arrête et tu es incapable d'avancer. Na anakushimamisha pala una uwezaji tena kuendelea. Et la chose en question, na ile kitu, nous allons la trouver na tutayapata dans l'histoire d'un homme. Mwadisi ya mutu moya. Un homme que vous connaissez tous. Mutu ambao mnajua ninyi wote. Un homme qui est très populaire dans la Bible. Mutu mwenye anajulikana kabisa mu Biblia. Il est une référence lorsqu'on veut parler des gens qui n'étaient rien mais qui sont devenus quelque chose. Anakuwa kionesho kama anataka kusemezea watu benye balikuwa bule na japo banakuwa kitu mwa fulani. Tous les prédicateurs quand ils veulent montrer que Dieu est capable de vous faire partir de rien pour vous amener quelque part, souvent, je ne dis pas toujours, mais je dis souvent, ils prennent l'exemple sur cet homme ici. Na baubiri bote kama banapenda kwambia se mtu anawezaje kutosha fashi fulani kupeleka fashi fulani. Banabebaka onesho ya huyu mtu. Et cet homme a été appelé par Dieu comme toi et moi avons été appelés. Na ule mtu alitiwa na Mungu kama wewe na mie vile tulitiwa. Dieu l'a appelé pour quelque chose comme toi et moi nous avons été appelés pour quelque chose. Mungu alimuitia juu ya kitu mwa fulani kama mimi na wewe. J'ai toujours entendu cette phrase dans l'église. Minashikiaga paka imisemo mkanisa. Kama tu Mungu anasema kitu ase ni kiako bipande bisuke. C'est pas vrai. Si Dieu a dit la chose t'appartient, c'est à toi même s'il y a de contre chose. Ça peut vous scandaliser mais je vous dis ce n'est pas totalement vrai. Inaweza kukushutusha mimi nakwambia haina kabisa hakika. Je vous donne un petit exemple. Nakupatia mfano moya. Quand Dieu arrive pour la première fois dans la vie de Moïse. Wakati Mungu anafika mara kwanza mu maisha ya Musa. Quel est le contrat qu'il avait signé avec lui? Ilikuwa ni mapatano kanyambo alisema naye. Tu me prends mon peuple. Unabeba taifa yangu. Tu me retires de l'Égypte. Unaitosha mu Misri. Tu l'amènes où? Unampeleka wapi? En Canaan. Mu Canaan. N'est-ce pas? Sinjo vile. Kama Mungu anasema si la veti, takuuliza. Moïse a déjà été à Mukana. Hein? Mais pourtant Mungu alisema. Et pourtant que Dieu avait parlé. Donc vous comprenez que vous pouvez être freiné par des petites choses, quelle que soit l'onction qui est sur vous. Unaweza kuzuiza na tubitu tuloko ingawa upako ambayo inakuwa juu yako. Illustration, allons dans la Bible. Twende mu Biblia. Nous sommes dans Juges chapitre 6. Tunakuwa mu Mwanzo sura ya 6. Juges chapitre 6. Et nous prenons le verset 11 jusqu'à 13. 11 jusqu'à 13. Moi, je n'ai pas l'habitude de lire quand j'enseigne. S'il y a un bon lecteur, quelqu'un qui n'a pas peur, qui a l'habitude de lire la Bible à haute voix, qu'il m'aide, s'il vous plaît. Et si, bien sûr, s'il a la vue panoramique de la Bible, et je ne veux pas que quand je cite Naoum, il va chercher un Nouveau Testament, ça va compliquer la tâche. Alors, quelqu'un qui a la vue panoramique de la Bible, vous citez Symphonie, il se retrouve. Vous citez Habakkuk, il se retrouve. Il est rapide, puisqu'il sera question de versets. Alors, qui se tiennent debout, qui nous lisent Juges chapitre 6, versets 11 à 13. N'y a-t-il pas un troisième micro qu'on peut affecter au lecteur durant tout l'enseignement? S'il y en a, je ne sais pas comment les choses sont organisées, mais les techniciens, si vous êtes prêts à le faire, vous pouvez nous aider. Nous lisons Juges chapitre 6, le verset 11 à 13, au nom de Jésus. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit. Il lui dit quoi? L'Éternel est avec toi, voilà. Vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Voilà. Et où sont tous les prodiges que nos pères nous ont nous racontent quand ils disent l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne
et il nous livre entre les mains des Madians. Oui, qu'est-ce que Dieu va lui dire? L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Amen. Voilà l'illustration parfaite de quelqu'un qui a été appelé par Dieu lui-même. Tazameni kionesho kamilifu ya mtu ambaye alitiwa na Mungu mwenyewe. Moi, Dieu ne m'a jamais apparu comme il l'a fait avec Gédéon. Mie Mungu akunyonekanikiaka kama vile alifanya na Gideoni. Moi, pour que Dieu m'apparaisse. Mie ndio Mungu anyonekanikie. Il a utilisé un prédicateur de l'évangile. Alitumia munenaji wa habari njema. C'est ce prédicateur là. Ni ule munenaji qui a touché mon cœur avec son évangile. Aligusa moyo wangu na injili yake. Et j'ai répondu à l'appel de Dieu. Na mimi niliita nilitika kumuito wa Mungu. Toute la différence avec Gédéon. Na yote inachanishwa pamoja na Gideoni. Nous pouvons dire que Gédéon a vécu Dieu en life. Tunaweza kusema Gideon alimuona Mungu uso kwa uso. Ce n'était pas par l'entremise d'un prophète. Haikuwa kupitia nabii. Ce n'était pas par l'entremise d'un pasteur. Haikuwa kupitia pastori moja. C'est Dieu lui-même. Ni Mungu mwenyewe. Prenant la forme d'un ange. Alibeba hali ya malaika. Va lui apparaître fara fara comme disent les Quinois. Alimuonekanikia uso kwa uso. Et Dieu va lui dire ce que Gédéon doit faire. Na Mungu akamwambia Gideoni ambaye alitakiwa kufanya. Il lui donne une commission claire et nette. Anamupatia kazi yenye ilikuwa wazi kabisa. Il lui dit, je t'ai choisi toi. Mimi na kuchakula wewe Gideoni. Pour que tu ailles libérer mon peuple. Ili uende kafungue taifa yangu. Des mains de Madian. Kupitia mikono ya Wamadian. Et des Philistins. Na Wafilistina. Et Dieu lui a dit, na Mungu anamwambia, pour que cette mission s'accomplisse, njui le kazi itimizike, Dieu lui-même lui a fait cadeau de lui-même Dieu. Na Mungu mwenye akajipana zawadi kwake. Il a dit, je suis avec toi. Asema mimi niko pamoja nawe. Va. Enda. Avec la force que tu as. Na nguvu ambayo unayo. Généralement, quand quelqu'un reçoit une telle commission de la part de Dieu au Congo, na kila mara kama mtu anapata kazi kama ile kutokea kwa Mungu mumuinchi yetu, la tendance c'est de se considérer comme un homme spécial. Na anakuwa na nia kujiona kama mtu mmoja wa pekee. Avec des phrases telles que moi, écoutez frère, moi je suis différent de vous, hein. Na misemo kama nduku mie mimi naachana na mweya. Moi c'est Jésus lui-même qui est venu me prendre dans ma chambre, je dormais sur le campus, il va raconter beaucoup de choses. C'est mie ni Yesu mwenyewe alikuwa kunibeba mchumba yangu ya kulalia. Mais cet homme qui a été appelé par Dieu lui-même. Oui, mutu ambaye alitiwa na Mungu mwenyewe. Un appel authentique qui ne souffre d'aucun doute. Oui, mwito moya yenye hakuna hata shaka moja. Toi peut-être c'est ton grand frère qui t'a appelé du village où tu étais. Il dit viens me seconder comme vice-pasteur. Wesa zingine ni mkubwa wako alikutosha kumuginyi kule alikuwa sekuya unisaidie kwa kama katibu. Toi peut-être puisque tu es de la même tribu avec le fondateur de l'église, c'est ainsi que tu te retrouves pasteur. Sangine wewe ku kabila mwana mwenye mwenye kanisa ndio pale unajikuta pastori. Puisque au Congo, jumwa hii nchi yetu, les gens s'attachent à l'église parfois selon leur tribu. Na batu banambatanishwa ku kanisa kulinganisha na makabila yao. Quand un pasteur a un nom qui commence avec O. Kama mchungaji anakuwa na jina ambalo inaanza na O. Il s'appelle par exemple Odimba. Anaitwa kama Odimba. Vous allez voir que tous les fidèles seront de Omalanga. Utaona ba minifu wote watakuwa ba Omalanga. Ba Odita Kachu. Omoyo. Watakuwa ba Omoyo. Si c'est un pasteur qui a un nom qui commence avec Bo. Kama ni pasteur mweko na jina mwe inaanza na Bo. Il s'appelle par exemple Bolamba. Anaitwa kama Bolamba. Vous allez voir que dans son église il y aura toujours des Bobutaka. Utaona mtu akasema mtakuwa paka ba Bobutaka. Il y aura toujours des Bokechu. Mtakuwa ba Bokechu. Il y aura toujours des Bobos. Utakuwa ba Bobos. Et si un pasteur a un nom qui commence avec A. Kama mchungaji ana jina inaanza na A. Par exemple, il s'appelle Amisi. Anaitwa Amisi. Vous allez voir que et les anciens et utaona na bazee na bashemashi. Ils auront toujours des noms qui commencent avec A. Batakuwa na majina inaanza paka na A. Il y aura des Akilimali. Utakuwa Akilimali. Des Aziza. Utakuwa ba Aziza.
Bamnazo. Et si un pasteur a un nom qui commence avec Chi. Kama pasteur na kwa nanjina inaanza na Chi. Il est par exemple Chibaka. Toko ba Chikama. Dans l'église, il y aura toujours des Chimbalanga. Toko ba Chimbalanga. Des Chiswaka. Des Chiswaka. Vous pensez que tous ces gens-là, c'est Dieu qui les a appelés? Munazania seba le batu ni Mungu ndio anabaita. C'est le Chi et le O qui les a appelés. Ni Machi na Mao ndio ilibaita. Ils peuvent penser que banaweza kuzania kama ils sont dans le ministère beko muhuduma, mais en réalité ils sont dans les bobutaka mukweli beko mubobutaka beko mubile. C'est comme ça au Congo, ndio vile mukuichi kanisa yako kwetu. Mais celui-ci na japo uyu n'a pas été appelé par le haut et le chi abakumwite kwa o na chi. Lui c'est le Dieu lui-même, le Dieu de la Bible. Yeni Mungu wa Biblia ndio alimuita mwenyewe. Et puis il avait même douté de cet appel là. Ajapo alishakia tena hii mwito. Mais Dieu lui a prouvé en lui donnant même des signes. Na Mungu alimkakikisha kumpatia na maalama. Pour lui montrer que c'est moi qui t'ai appelé. Tu ya kumwambia kama ni mimi ndio mimi nakuita. Maintenant, alors qu'il s'est préparé, na japo wakati alikuwa anajitayarisha, à entrer dans la mission, aingie mukazi, à exercer le ministère, ya kutumikisha huduma, à faire ce que Dieu lui a demandé de faire, tu ya kufanya kenye Mungu alimuomba afanye, la même nuit, moya, la même nuit où il a eu l'appel, chukumu ya mwari pata mwito, Dieu va revenir encore. Na Mungu atarudia tena. Cette fois-là, il va s'amener avec un discours un peu drôle. Na pala takuwa na misemo moya ya kuvurushwa. C'est au verset 25. Inakuwa ni ku verset 25. Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Na Mungu atamwambia nini? Mon frère, tu peux lire. Unaweza kusoma. Verset 25. Même nuit. Dans la même nuit. L'Éternel dit à Gédéon. Prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Fais quoi? Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et fais quoi? Et abat le pieu sacré qui est dessus. Mes amis, suivez-moi. C'est Dieu qui lui a dit d'entrer dans la mission. Ni Mungu ndio alimwambia enda kazini. C'est Dieu qui lui a donné le nécessaire pour la mission. Na Mungu alimupatia bifa njuu ya kazi. C'est Dieu qui lui a donné toutes les garanties possibles pour le qualifier dans cette mission là. Na ni Mungu ndio alimupatia mauwezaji ambayo inaweza kumsaidia mwa ile kazi. Alors que le garçon se prépare à entamer le ministère. Na japo kiona na jianda njuu kuanzisha kazi. Le Seigneur revient encore. Na Bwana anarudia tena. Et il lui dit ça. Anamwambia hivi. Prends garde. Keba ange. Je reconnais que c'est moi qui t'ai dit d'aller libérer le peuple. Minatambua kama ni mimi njoo nilikwambia enda ukafungue taifa. Je reconnais que c'est moi qui ai fait de toi un libérateur. Na mimi njoo natambua kama nilikufanya ukuwe mkombozi. Mais avant, kabla yote, d'entrer dans cette mission. Ya kuingia mwa ile kazi. Aie soin de faire quelque chose. Udilinde kufanya kitu kimoya. Va. Maison de ton père. Enda munyumba ya baba yako. Renverse. Angusha. L'autel. Mazabao. Qui appartient. Yenye inakuwa. A ton père. Kwa baba yako. Alors là. Na pale. Je me suis posé une question. Nikajiuliza. Qu'est-ce que Gédéon? Nini Gideoni? Avait à voir avec cette histoire de l'autel. Ni nini limwanga mbatanisha Gideoni na ile mambo ya mazabao? Pourquoi Dieu lui demande? Avant qu'il n'aille dans le ministère. Kabla aingie mubutumishi. Avant qu'il ne s'engage dans la mission. Kabla ajitowe mukazi. Qu'il commence au préalable par renverser l'autel qui appartient à son père. Anze mbele mukuangusha mazabao ambayo ilikuwa ya baba yake. Nous ne sommes pas des robots. Si hatuna ba robots. Dieu le sait très bien. Mungu anaijua vizuri. Il nous a doté de l'intelligence. Alitupatia akili. Et nous avons la capacité de réfléchir. Tunakuwa na uwezaji ya kufikiria. Ce n'est pas puisque il parle. Haiko tu njoo anasema. Que nous ne pouvons pas raisonner. Njoo hatuweza kufikiria. Il est notre Dieu, oui. Anakuwa Mungu wetu ndio. Posons-nous la question. Hebu tujiswali kwanza. Pourquoi Dieu demande à Gédéon? Njoo ya nini Mungu anamuomba Gideoni? Au préalable, avant qu'il commence le ministère. Kabla anze kazi ya butumishi. Il lui demande d'abord de renverser l'autel. Anamulomba mbele angushe mazabao.
Premièrement, ce n'est, ça n'a jamais été Gédéon qui avait érigé cet hôtel. Il peut me reconnaître dans sa bouche que c'est un hôtel qui appartient à son père. Na Mungu mwenye anatambua kama ilikuwa madhabahu ya baba yake ya Gideoni. Quand son père mettait cet hôtel, Gideon n'était même pas né. Wakati baba yake alianza kuwanya ile madhabahu, Gideon akuzalikwa. Puisque il était le plus petit de la famille. Asa alikuwa mtoto kidogo wa mjamaa. Il a grandi, il a trouvé cet hôtel dans la maison. Alikomala na nakuta ile madhabahu nyumbani. Il n'a jamais connu l'histoire de cet hôtel. Hayachua kakamwa historia ya ile madhabahu. Il n'a pas contribué ni de près ni de loin à l'érection de cet hôtel. Akusaidie kwa karibu wala kwa mbali kukutungiwa kwa ile madhabahu. Dieu lui-même reconnaît que c'est un hôtel qui appartient à ton père. Na Mungu mwenyewe anatambua kama ni madhabahu ambayo inakuwa ya baba yako. Son père c'est son père. Baba yake ni baba yake. Celui-ci c'est Gédéon. Na huyu ni Gideoni. Qu'est-ce que Gédéon a à voir? Ni nini Gideon anaweza kuwa nayo? Avec un hôtel construit par un autre. Na madhabahu ambayo ilitungiwa na mtu mwingine. Dans quelle intention Gédéon ne connaît pas. Mumawazo gani Gideon hakujua. Pour quelle raison Gédéon ne connaît pas. Kwa sababu kani Gideon hajue. Quand est-ce que ça avait été érigé, il ne connaît pas. Ni wakati gani ambao ilitungiwa ajue. Seulement Dieu le rend responsable. Na pale Mungu anamuona kama ni yeye. De la destruction de cet hôtel. Ndio anaweza kubomona ile madhabahu. Comment je peux détruire un hôtel? Je mimi naweza kubomona madhabahu. Que je n'ai jamais construit. Ambayo mimi sikujenga. Que je n'ai jamais. Je n'ai même pas participé à une quelconque réunion pour ériger cet hôtel. Ambayo sikukua hata kumkusaniko moyo njoo kujenga ile madhabahu. Je ne connais pas. Sijui. Mais Dieu lui demande. Lakini Mungu anamuomba. Il dit pour que tu réussisses ta mission. Tu veuilles uweze kazi yako. Pour que ton ministère. Tu utuma yako. Ne souffre pas. Isiteseke. Pour que ton ministère. Tu utuma yako. Ne connaisse pas un échec. Isipate kushinda. Commence par renverser. Aanza mbele mkuangusha. L'hôtel. Mazabao qui appartient à ton père. Yenye nakuwa ya baba yako. Alors la question que je me suis posée moi Ezra. Na hapo swali ambayo nilijiuliza mimi Ezra. Wakati nilikuwa nasoma hapa. Je me suis posé la question pour quelle raison. Nilijiuliza sababu gani. Unawazania kama mtu anaweza kufanya kitu njuu ya kawaida tu njuu ya kufanya. Kamwe. Si la demande Gideon. Kama alimuomba Gideon. De renverser l'hôtel. Ya kuangusha madhabahu. Raison pour le faire. Lakini kulikuwa masababu mingi njoo ya kuyafanya. Je sais que. Najua kama. Il y a 40 ans. Kuna kwa miaka makumi ine. Sikuweza kumihubiri ambayo minataka kumihubiri leo. Dans l'église où je suis entré. Jumu kanisa mwenye niliingia. Bali nyambia kama. Mafundisho kama hii. Inakuwa ni moto ya kigeni. Amishu kwa natazamia tabu konvi wa kiro. Wakati mtu anakuwa na mafundisho ya ufungulivu. Pourquoi? Juu ya nini? Puisque dans l'église où j'ai rencontré Christ. Je ne mukanisa kwenye nilikutana na Kristo. Ces enseignements ne faisaient pas partie. Hii mafundisho haikukua hapo. Mimi je me suis posé la question. Hapo nikajiuliza. Quand bien même mon église ne croit pas dans ces choses. Ingawa kanisa yangu hayaminie hii mambo. Moi je me suis posé la question. Na mimi nikajiuliza. Il y a quand même un ordre dans la Bible. L'ordre dit renverse l'hôtel. Kuna shuti. Ce n'est pas à discuter. Que vous soyez théologien, que vous ne soyez pas, c'est décrit dans la Bible. Kuna shuti mu Biblia nasema vunja madhabahu. Imeandikiwa mu Biblia. Voilà. Maintenant la question était celle-ci. Na japo ulizo yangu ilikuwa ni hii. Pourquoi? Njoo ya nini? Dieu. Mungu demande à Gédéon. Anamuomba Gideoni. Ce n'est pas seulement Gédéon. Aiko pela Gideoni. Il a demandé à beaucoup de gens dans la Bible. Aliomba kwa watu wengi ndani ya Biblia. Par exemple à Israël. Alisema kwa mfano na Israeli. Le pays que vous allez entrer. Mwinchi ambao mtaingia. Vous allez trouver un peuple. Mtakutana na taifa moja fulani. Ce peuple adore. Na hii taifa inaabudu. Divinité de tout genre. Mabimungu ya kuachanisha. Vous qu'est-ce que vous allez faire? Mwe mtafanya nini? Si vous entrez dans ce peuple.
pays. Tu veux tous ces gens-là renverser leurs hôtels. La question que je me pose, qu'est-ce que Dieu voyait dans ces hôtels? Comment est Dieu tout puissant? Mungu mwenye uwezo. Dieu qui a tout. Mungu mwenye anakuwa na byote. Mais il demande d'abord à Gédéon. Anamuomba kwanza Gideoni. Si tu veux vivre ma main. Kama unapenda kuishi mkono wangu. Commence par renverser les hôtels. Anza mbele kuangusha madhabahu. Je me pose la question. Mimi najiuliza. Dieu avait peur des hôtels? Mungu alikuwa na boka ya madhabahu. Qu'est-ce que les hôtels font à Dieu? Ni nini madhabahu inamfanya Mungu? Napenda kukuambia hivi. Les hôtels ne font rien à Dieu et ne peuvent rien faire. Madhabahu haifanye kitu na iweza kufanya kitu kwa Mungu. Mais seulement. Na japo tu. Les hôtels ont des problèmes. Madhabahu ina mambo. Dans la vie des hommes qui les érigent. Mu maisha ya watu ambao wanainua. Du côté de Dieu. Ngambo ya Mungu. Aucun hôtel ne peut faire trembler Dieu. Hakuna hata sababu moja ambayo inaweza kumshutusha Mungu. Ni chaud ni froid. Haiwezi kamwe kumshutusha. Mais Dieu connaissant. Na Mungu mwenye kujua. Les conséquences d'un hôtel érigé. Matokeo ya madhabahu ambayo balionyesha. Dans la vie des gens qui l'ont érigé. Mu maisha ya bantu ambao balijenga ile madhabahu. Dieu connaissant les conséquences. Mungu mwenye kujua ile matokeo. Il demande à tout homme. Anaomba kwa mtu yote. Il demande à tout pasteur. Anaomba kwa mchungaji yote. Il demande à tout prophète. Anaomba kwa nabii yote. Il demande à tout évangéliste. Anaomba kwa injilisti yote. De renverser d'abord. Ya kubomola kwanza. Tout hôtel debout dans votre vie. Madhabahu yote iko bwima mu maisha yenu. Je sais que vous pouvez négliger ça. Mimi najua kama mnaweza kubeula hayo. Lakini il arrivera que itafika ya kwama. Si vous ne tirez pas attention, kama ukebe ange, que les mêmes hôtels, ya kama ile madhabahu moya moya, jusque là, ile mpaka leo, sont restés debout dans votre vie. Ilishimama bwima mu maisha yenu. Vous fasse très très mal. Itamifanya bibaya kabisa. Je vais vous montrer. Napenda kuwaonesha. Les raisons pour lesquelles. Sababu ambayo. Dieu demande à toute personne qui entre en contact avec lui. Mungu anaomba kwa kila mtu ambaye anaingia muhusiano naye. De commencer par renverser l'hôtel. Donc tu vas les rendre. Abunje kwanza madhabahu ambayo inakuwa bwima mu maisha yake. Shikia. La première raison. Sababu ya kwanza. Lorsque quelqu'un érige un hôtel. Wakati mtu anajenga madhabahu. La toute première conséquence qu'il va vivre dans sa vie. Matokeo ya kwanza ambayo ataishi mu maisha yake. C'est qu'il va inviter des dieux. Ya kama atalika wa Mungu. Qui viendront pour se nourrir de l'hôtel. Batakuya njou ya kula pa madhabahu. Remarquez dans la Bible. Tazameni bibi mu Biblia. Il n'y a pas de Dieu sans hôtel. Hakuna Mungu hata moja bila zabao. Même pas le Dieu de la Bible. Atapaka huyu Mungu wa mu Biblia. En commençant par notre Dieu de la Bible. Makuanzia pa Mungu huyu wa mu Biblia. Pour l'adorer. Tu ya kumwabudu. Il exigeait toujours. Alikuwa naomba paka. Qu'on l'adore. Kumwabudu. En érigeant des hôtels. Hii kujenga mazabao. Quand il appelle Abraham. Wakati anamuita Ibrahimu. Abraham a érigé un hôtel. Ibrahimu alijenga madhabahu. Quand il rencontre pour la première fois Jacob. Wakati anakutanishwa Jacob mara ya kwanza. Jacob a érigé un hôtel. Yakobu alijenga madhabahu. Tous les dieux, je dis de tous les dieux, y compris le Dieu de la Bible. Na ba Mungu bote na Mungu wa mu Biblia exige toujours. Inashurutisha des hôtels. Madhabahu. Et quand quelqu'un érige un hôtel, na wakati mtu anajenga ile madhabahu, il est en train d'inviter des divinités. Anakuwa naalika bumungu.
qui commenceront à descendre sur cet hôtel là. Tu as eu le mazabao. Pour faire quoi? Tu as fait un nini? Ya kwanza. Pour se nourrir de sacrifices qu'on mettra là-bas. Il va courir sadaka mbo itakuwa pale. Deux. Ya pili. Pour entrer en communion avec l'adorateur qui a érigé l'hôtel. Tu as kuingia muhusiano na ule alijenga le mazabao. Alors Dieu connaissant que. Na Mungu mwenye kujua ya kama. Si quelqu'un érige un hôtel. Kama mtu mwa anajenga mazabao. Il a invité des dieux dans sa vie. Aliita ba Mungu mu maisha yake. C'est pourquoi Dieu exige toujours. Je parle Mungu anasurutisha kipaka. À toute personne qui vient à lui. Wa kila mtu ambaye anakuja kwake. Commencer d'abord. Ya kuanzisha kwanza. Par verser. Ya kuangusha. Mais Dieu. La Mungu qui occupait l'hôtel dans sa vie. Yenye balikuwa tu ya mazabao mu maisha yake. Quand l'hôtel tombe. Ni wakati mazabao inanguka. Quand l'hôtel est renversé. Wakati mazabao inanguka. La Bible dit. Biblia inasema. Lorsque les fondements sont renversés. Wakati misingi imeisha anguka. Dans ce cas là. Mwa ile hali. Même injuste. Hata mwenye haki. Ne peut rien faire. Aweza kufanya kitu hata kimoja. Si injuste ne peut rien faire. Kama mwenye haki aweza kufanya kitu. Alors les dieux aussi. Na japo miungu. Lorsque les hôtels sont déjà renversés. Wakati mazabao imeisha angushwa. Ne peut rien faire. Abaweza kufanya kitu. Mon frère. Ndugu yangu. Il peut rester une relation entre toi. Unaweza kubakia uhusiano kati ya wewe. Et le dieu de la maison de son père. Na ma miungu ya munyumba ya baba yako. A cause du fait que. Kwa ajili tu ya sababu moja. Depuis que tu es venu au Seigneur Jésus. Tokea ulimpokea Bwana Yesu Kristo. Tu n'as jamais renversé l'hôtel. Hauya angushaka kamwe mazabao. De la maison de ton père. Ya munyumba ya baba yako. Alors aussi longtemps que l'hôtel est debout. Ingawa mazabao iko bwima. Qu'est-ce qu'il y aura? Ni nini takuwa? Le dieu de la maison de ton père. Ma miungu ya munyumba nyumba ya baba yako vont continuer à agir dans ta vie. Bataendelea kutenda mu maisha yako. Ils vont commencer à te ridiculiser. Bataanza paka kukupatisha haya. Regardez le paysage évangélique du Congo. Mwangarieni kionesho ya injili ya Mukongo. Moi je n'aime pas prêcher un évangile sensationnel. Mishuwezi kuhubiri injili ya kivukutu kivukutu. Un évangile calmant. Ile évangile ya kukalime mambo. Un évangile bonbon koja. La évangile ya sukari sukari hapana. Moi j'aime parler de l'évangile vrai. Mimi napendaka kunenea injili ya kweli. Regardez le paysage évangélique du Congo. Mwangarieni injili ya muinchi yetu. Ebu munioneshe batumishi ba Mungu benye banaanza huduma benye banapanda mu utukufu na banakufa mu utukufu. Munyambie ko batu ngapi tokea wewe unakuwa ndani ya Yesu batumishi ngapi ya Mungu ambao unajua balianza mu utukufu balipanda ndani ya utukufu et qui ont fini dans la gloire. Na balimaliza mu utukufu. Montrez-moi. Munyambie. Je reconnais qu'il y a trop de choses. Minajua kama kuna kidogo kabisa. Wewe unakuwa fanatiki, unaweza kusema vyote bila unapenda. Mie mishiko fanatiki. Mina ngariaka kanisa na mencho yangu ya kweli. Kanisa iko na mambo. Batumisha Mungu bananzaka paka mzuri. Bananzaka na utakaso. Bananzaka na utukufu. Quand il parle, vous avez l'impression que c'est Dieu qui lui a arraché sa bouche pour vous parler, puis à la fin il lui remet sa bouche. Maubiri minene, kama iko na ruto na sasa ni Mungu ndio alikongola kinywa yake akiishe Mungu anakirudisha. Mtaona sema bista kawia. Il va monter. Atapanda. Quand nous sentons que il a atteint l'apogée. Wakati tunashikia sema anapanda juu kabisa. C'est alors que les bêtises commencent. Ndio pale mabuchafu inaanza. Vous allez commencer à prendre des histoires de femmes. Mtaanza kushikia mambo ya babibi. Mambo ya ukorofi. Mtu wa Mungu anajikuta umafodola. Kama unaangalia maisha yake kuna kwa miaka 20. Celui-ci ne peut pas être parmi les fémans. Comment il est là? Je veux te dire la raison, il n'y a qu'une seule raison. Ce
batu bali beula, le fait de renverser les autels. Ali yakubomo na mazabao. Alors dans leur vie, mon maisha yabo, il est resté une relation invisible. Kulikuwa usiano asipo kuonekana entre eux et les dieux de la maison de leur père. Kati yao na Mungu wa manyumba baba yabo. Unaweza kufanya hata miaka 12 bila ole. Unaweza kuona nataka unashafunguliwa. Takwambia ukweli. Tant que vous n'avez jamais renversé les hôtels au vrai sens du mot. Kama au ya bomona mazabao vile natakiwa. Les dieux de la maison de votre père là. Ba miungu ya munyumba baba yenu. Tu connais bien que il y a un hôtel debout sur lequel nous pouvons descendre et agir. Baba ambao tunaweza kushuka na kutenda. Même si ce n'est pas vous qui l'avez érigé. Hata kama ina wewe ndio uliyenga. Mais c'était votre père qui l'avait érigé. Si baba yako ndio aliyenga. Mais n'oubliez pas. Usisahau. La Bible dit que Biblia nasema kama Lévi a payé la dîme à Melchisedec. Na Lévi alilipa chekumi kwa Melchisedec. Or, quand vous prenez l'époque, na wakama mnabeba wakati où Melchisedec a vécu, kwenye Melchisedec aliishi, et l'époque de Lévi, na wakati ya Lévi, on ne peut pas accepter ce que la Bible nous dit. Hatuweza kukubali ambao Biblia nasema. Puisque Lévi était un arrière petit-fils d'Abraham. Na Lévi alikuwa mtoto wake mkana yake ya Ibrahimu. Il ne pouvait pas payer la dîme à Melchisedec. Hakuweza kulipa chekumi kwa Melchisedec. La Bible nous montre comment il a payé. Na Biblia inatuonesha jinsi gani alilipa. La Bible dit, Biblia nasema, il était dans les reins d'Abraham. Alikuwa mkifuo kwa Abraham. Quand Abraham est allé payer la dîme. Wakati Ibrahim alienda kulipa chekumi. Est-ce que vous savez que quand votre grand-père était en train de monter l'hôtel? Unajua sasa wakati Nkamboa kuanza kujenga ile mazabao. Je reconnais que tu n'étais pas né. Mimi natambua kama uko mwenye kusalikwa. Mais tu étais dans les reins de ton grand-père. Ulikuwa mkifuo kwa Nkamboa yako? Quand ton père l'a metté l'hôtel. Wakati baba yako anaanza kujenga ile mazabao. Oh si si tu mettais l'hôtel. Wewe na wewe mkifuo ulianza kufanya ile sabao. Est-ce que tu sais que quand tu couches avec une femme? Unajua kama unapatana na mwanamke. Est-ce que tu sais que tous les enfants qui sont ici couchent avec cette femme? Non, c'est pas les batoto beko mukifuno banakufa banalala na ule mwanamke. Est-ce que tu sais que pendant que je prêche? Unajua wakati niko nahubiri. Est-ce que tu connais que tous les enfants qui sont ici prêchent avec? Non, c'est batoto bana beko pale beko nahubiri na mie. C'est pourquoi dans ma vie je ne ferai jamais de prostituée. Je mie mu maisha mshitenda kubakaba. Je ne mettrai jamais au monde mon melibangi. Sitazalaka kamwe mfutariamba. Puisque mes enfants prient avant de naître. Du batoto yangu beko naomba kabla ya kuzalikwa. Ils jeûnent avant de naître. Beko nafunga chakula kabla ya kuzalikwa. Ils ont l'habitude de prophétiser alors qu'ils ne sont pas encore dans le monde. Alijifunza kutabiri na chapa boko benye kuzalikwa. Ils font toutes ces choses où? Beko nafanya bile bitu wapi? En mon sein. Mukifua kyangu. Quand je me sanctifie. Kama najitakasa. Toutes les filles qui sont ici se sanctifient. Na batoto yangu pote banajitakasa. Quand je crains les femmes d'autrui. Wakati mimi naogopa mabibi ya benye. Tous ceux qui sont ici craignent les femmes d'autrui. Na biana biote biko mbi naogopa mabibi ya benyewe. C'est pourquoi il est impossible. Ndumana haiwezi kuwezekana. Que moi je mette au monde un kuluna. Mimi zale kuluna. Il viendra d'où? Il a toqué what? Puisque dans mon sein. Wakati kifuo. Ils apprennent à faire ce que moi leur père je fais. Beko nafunda kufanya bile baba yabo wako nafanya. C'est pourquoi quand tu es un homme de Dieu, si tu es un apôtre, soyez des vrais apôtres. Come on. Prophète des nations, prophète des nations. Nabi wa mataifa, nabi wa mataifa. Bibi yako mwenye aitika bu prophète bu wako paka ma nation. Ta femme n'a pas encore accepté que tu es prophète. Seulement les nations. Craignez Dieu, hein. Kanisa ni kwa sa fwashia kina mtu anapenda kufanya michezo yake fwasha kuchezea ni mkanisa.
Si quelqu'un veut s'amuser, c'est à l'église. Si tu fumes le chanvre au campus, tu viens te jouer seulement à l'église. Je te demande, ne meurs pas. Tu vas regretter ce que tu fais aujourd'hui. Toutes les blagues que vous faites au nom du sang de Jésus, tu vas souffrir, mon frère. Si tu es dans ces histoires-là banales des hommes de Dieu, maintenant que tu m'écoutes, abandonne ça. Abandonne ça. Abandonne. C'est la date lunaire alors. C'est quoi? Oh, chier. Pourquoi Dieu a demandé à Gédéon? Dieu a nini mungu ali muomba Gideon. De renverser l'autel. Ya kubomona mazabao. C'est puisque l'autel l'inju mazabao a l'habitude de parler et de crier. Inakuwa na zoezo ya kusema na kulalamika. Retenez-le. Mushiki ya komba. Je n'ai jamais un enseignement qui n'est pas gardé. Jamais. Mishubira ke kamwe mafundisho. Nini kuna taya kintu tunekisoma. Ha. Je cite et nous lisons. Vous voyez la chair qui est là. Inakuwa ni mazabao. Wangalisha na shie. Cet hôtel parle. Yes. Yes. Batu balikuwa naweka masadaka. Na Yesu anatoka pala alikuwa shakuikala na karibia. Anaanza kuangalia vile batu balianza kuweka sadaka. Biblia nasema alianza kuangalia vile batu balianza kuweka. Batu banaweka. 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 Kumwisho. Na Yesu anaanza kutangaza. Anasema. Batu bote ambao baleta masadaka yabo kwa hii mimbari. Inyake cette femme. Kuna kuwa mpaka huyu mama. Qui a donné plus que tout le monde. Alileta zaidi ya batu bote. Comment est-ce que Jésus a su? Ndiye gisi gani Yesu alijua? Cette femme avait donné tout. Ya yote. L'hôtel parle. Mazabao inasemaka. Écoutez comment l'hôtel a parlé. Mshike gisi gani mazabao ilisema? Ya kwanza. L'hôtel a informé Jésus. Na mazabao ilimujulisha Yesu. A travers le sacrifice qui était dans l'hôtel. Kupitia sadaka ambayo ilikuwa pa mazabao. L'hôtel a donné l'identité de la femme. Na mazabao ilileta kitambulisho kia ule mama. L'hôtel a informé que c'était une pauvre. Na mazabao ilimwambia kama ni wamaskini. L'hôtel a parlé en disant que c'est une veuve. Na mazabao ilisema kama ni mchane. Trois. Ya tatu. L'hôtel a donné l'information de tout ce qu'elle avait. Na mazabao ileta habari kusema njoo yote ambayo alikuwa nayo. Jésus a été informé. Na Yesu alipata ile habari par l'hôtel. Kupitia nini mazabao? Ça tu peux dire mon pasteur, ça s'appelle ta manière de comprendre la Bible. Unaweza kuisoma inalinganisha na namna yako ya kuelewa Biblia. Je conserve. Naichikia. Mishi katale. Allons dans la Bible. Là pour twende mu Biblia. Voir l'exemple palpant d'un hôtel qui parle. Ndio yako na kionyesho ambayo ya mazabao ambayo inakuwa nasema. Apocalypse 14. Verset. Non, commençons d'abord avec Apocalypse 8. 8. Verset 2 à 5. Et puis vous écrivez hein, pour Mwanjike. Des raisons de documentation. Kuyua, Apocalypse 14, verset 18. Allons-y. Apocalypse chapitre 8, le verset 2. Uh-huh. Et j'ai vu les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Uh-huh. Et sept trompettes leur furent données. Uh-huh. Un autre ange vint. Uh-huh. Et il s'était sur l'autel. Un autre ange vint. Malaika mwingine nakuya. Un autre ange descendit. Mwangari kuli descendit ou utaona atashuka ni kwa hotel. Kwenga hotel. Amen. Mungu utakisha kotonaka tu kwenga hotel.
Christ. Ça, c'est Jean qui parle. Il est un autre ange descendu. Mais je suis choqué quand tu as un stade à l'opopo. Ah oui, Amazem. Ah ah, Amenda pour choquer Wapi. Côté. Parce que nous. En relation à l'hôtel, come on. Mais l'ange a choqué au hôtel. Monsieur, vous le hôtel, vous le tatoga. Un autre ange vient et s'éteint sur l'hôtel, ayant un ascenseur d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec des pierres de tout le saint sur l'hôtel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec des pierres de saint. De la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascenseur, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix de tonnerre. Il y eut des voix. Ces voix sortaient d'où? Il est massacré, tu crois la toka wapi? Comment ça va? Pourquoi il faut renverser les hôtels? Tu as dit Nadai Kwangusha Mazabao. Puisque chaque hôtel du Kila Zabao a l'habitude de parler. Il n'a quoi qu'un azoezo ya kusema. Et même de crier. Ata ya kulalamika. Si vous lisez dans Apocalypse 14. Comme on a somme en Apocalypse 14. Jean dit. Yohana anasema. J'entendis derrière l'hôtel. Nilishikia nyuma ya mazabao. Des voix. Masauti. Et des cris. Na malalamiko. L'hôtel. Mazabao. Par. Inakuwa anasema. L'hôtel. Mazabao. Cri. Inakuwa analalamika. Mena. Il y a deux sortes d'hôtels. Kuna aina mbili ya mazabao. Il y a les hôtels de Dieu de la Bible. Kuna kwa mazabao ya Mungu wa Biblia. Et aussi parle. Ayo pia inasema. Mais il parle bien. Ayo inakuwa nasema mzuri. Et il parle en bien. Na inakuwa kanasemaka mubizuri. Mais il y a des hôtels démoniaques. Kuna mazabao ya kindemona. Les hôtels démoniaques parle. Mazabao ya kindemona inasemaka. Il crie. Inalalamikaka. Seulement leur cri. Ile malalamiko tu yabo. Et leur voix. Na masauti yao. Leur parole. Misemo yao. Leur tout ce qui sort de leur bouche. Yote ambayo inatoka kinywani mwao. C'est un mal. Inakuwa ni bibaya. Maintenant quand vous avez construit un hôtel. Wakati tunajenga mazabao. Cet hôtel là commencera à crier. Ile mazabao itaanza kulalamika. Cet hôtel là commencera à parler. Ile mazabao itaanza kusema. Mais il va commencer à parler contre qui? Itaanza kusema juu ya nani? Il va commencer à parler contre. Itaanza kusema juu ya les gens qui l'ont érigé. Batu bale barijenga. Leur famille. Majama yao. Et l'environnement dans lequel cet hôtel a été érigé. Na mazingira ambayo ile mazabao ilijengewa. Dans la maison de Gédéon. Munyumba ya Gideoni. Ce n'est pas tout le monde qui est allé créer cet hôtel. Haiko batu bote ambao balienda kujenga ile mazabao. Sable numéro 1. Mwenyewe wa kwanza kujenga ile mazabao. Joas. Ilikuwa ni Joas. Le papa de Gédéon. Baba yake Gideon. Je ne sais pas quel est le moustique qu'il avait piqué. Sijui ni kitu ganyamba kilimsukuma. Il a érigé cet hôtel là. Kujenga ile mazabao. À partir du moment où il avait érigé cet hôtel. Tokea wakati ambao alijenga ile mazabao. Il avait invité des divinités. Aliita pale mabii Mungu. On appelle les dieux Baal. Na wanaita Mungu Baal. Ces dieux-là sont descendus dans la maison. Abade ba Mungu balishuka mu manyumba. Et à partir de ce moment-là. Na kuanzia ile wakati. Ils sont devenus des dieux de cette maison. Na balikuwa ba miungu ya ile nyumba. Ils avaient le contrôle de la maison. Balikuwa na uongozi kamilifu ya nyumba. Aucun n'en les échappé. Hakuna hata mtoto mmoja aliweza kuepuka. Tout ce qui se yote ambayo ilikuwa inapitika mwa ile nyumba était contrôlé par Baal. Ilikuwa naongozwa na Baal. Maintenant quelle est la conséquence? Na nini ni matokeo? Lorsque vous voulez quitter la maison là. Wakati unapenda kutoka mwa ile nyumba. Vous voulez vous distinguer. Unapenda kuachanishwa nao. Quel que soit l'endroit où vous irez. Ingawa mali ambao utaenda. Cet hôtel. Ile mazabao. Criera contre vous. Italalamika juu yako. Il va crier contre votre succès. Italalamika njuu ya kavumu yako. Il va crier contre votre prospérité. Italalamika njuu ya kustawi kwako. Je sais qu'on nous prêche la prospérité. Mina jua wanatuhubiri kustawi.
C'est un message biblique, je ne suis pas contre. Inakuwa ni mujumbe ya kibiblia shina kinyume. C'est véritablement un message de la Bible. Hakika ni mujumbe ya mubiblia. Mais soyons sérieux. Hebu tuangalie kwanza. Combien de chrétiens du Congo peuvent dire au vrai sens du mot qu'ils sont prospères? Bambini fungapi bamu inchi yetu banaweza kusema hakika banastawi. Même parmi ceux-là, même qui enseignent la prospérité. Ata katikati ya bale banafundisha kustawi. Parce qu'il y en a qui prennent même des noms tels que gouverneur de la banque, de ministre de la prospérité, mais ministre de la prospérité est égal à quoi d'adak. Mais Babongo, Babongo, bego na autorité. Babongo, bego télévision qui la chico. Babi akweri bego paka mkumulima. Babi akweri bego paka nalala na njala. Babi akweri ni paka lwa mikulu. Babongo. Babongo, tu dis chaque vuma. Au bantu bote pa kupona na fai kuri apona. Mambo ya Mungu tena ile ya kuponeshana haina hako. Mukicho yote ya mtu tu amlubumbashe. Haina tena kuyua sema kama unafia cancer ishe fo ukurie pom. Mungu ba. Abata wewe. Amen. Excuse-moi, mais tu me rajoutes pour un mémoine avec un bout de gâteau au poisson? Oh, t'as rien dit à bord. Moi, mon père, c'est ma ville quand même. Coulez-vous en apprendre. On voit les chiens, ma ville. On est ville, mon grand, t'as tout promis sur le monde. Il y a mon tésor. T'as pas gagné à bord. C'est un symbole. Autant la différence hein, entre Dassan et la Saint-Esprit. Waouh! 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 Regardez, Mushiki. Tellement que cet hôtel là, Nadja pour il est Mazabao, avait élu domicile. Il calme à il est Nyumba. Dans la famille de Gédéon. Kisazi ya Gideoni. Les conséquences étaient calculables. Ma toke rukwa mubaya zaidi. Ce n'est pas moi qui le dis. Aiko mi enjomi na isema. C'est Gédéon lui-même qui le dit dans sa bouche. Ni Gideoni mouya na itosha kinwa ni mwake. Son père était qui? Baba yake alikuwa nani? Le seul prêtre reconnu dans tout Israël. Le grand prêtre de Baal, Joas. L'unique, à son époque, il était le seul. Tu veux voir Baal, tu passeras par Joas. Baba yake Gideon il quoi pas dire moya tu wa Baal mwa ile inchi yabo. Et à l'époque, na kwa ile wakati, c'est Baal qui avait du succès que l'Éternel connaît. Ni Baal il quoi na kavumu zaidi ya wa milele Mungu. Je vous dis, je ne crois pas en Dieu. Nous pouvons dire tunaweza kusoma qu'effectivement Dieu était là. Ya kama kika Mungu alikuwa hapo. Mais la population. Lakini wingi. Elle était totalement acquise à Baal. Na watu wote walikuwa tu juu ya Baal. Et qui était le grand prêtre de Baal? Nani alikuwa mkoani kunju ya Baal? Papa de Gédéon. Baba yake ya Gideoni. Une telle position. Alikuwa na mshimamo kama ile. Ça pouvait leur apporter beaucoup. Iliweza kuwapatia bia mingi. L'argent. Makuta, l'avancement, kuendelea mbele, puisqu'ils avaient cette position-là de sacrifice. Kwani balikuwa na ile mshimamo ya wakoani wa Baali. Moi, j'ai pas le temps de
Mais ça n'a pas été le cas. Akina ikuko evile. Dans la vie de tous les jours. Mon maïsha ya kila shiku. Les enfants de Joaz ont fait ça. Batoto ya Joaz waliteseka kabisa. Ils se battaient pour devenir quelqu'un. Balikuwa na gomba na njua kupata ko musimamo mwa fulani. Ajapo mazabao. Crier contre eux. Ilikuwa na lalamika juu yao. Kila mara balipenda kustawi. L'hôtel disait. Ile mazabao ilikuwa nasema. Ebu mkumbuke. Vous avez un contrat avec nous. Munakuwa na mapatano nasi. Na kulinganisha na ile mapatano. Vous ne pouvez pas devenir prospère. Awezi kustawi. Ce n'est pas moi qui invente. Aiko mie nabisema. C'est Gideon qui lui dit. Ni Gideon mwenyewe anabisema. Ma famille. Jamaa yangu. Est la plus pauvre à l'Israël. C'est-à-dire après la pauvreté. C'était la famille maintenant de Gideon qui venait. Gideon anasema famille yake ilikuwa ya ba maskini kabisa. Kisha umaskini ni famille ya ba Gideon ilikuwa. Qu'est-ce qui a amené cette pauvreté là? Ni nini rileta pour les maskini? L'hôtel. Mazabao. Unaona kama unatokea ma famille Samuel batoto ba grand chef. Vous voyez quand vous venez de famille de chef coutumier. Je vais vous dire de faire très attention. Tamiambia mukebe ange kabisa. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas être sauvé. Mais si c'est ma mweza kokolewa. Ça sera anti-biblique. Jésus peut sauver un enfant d'un grand chef. Na Yesu anaweza kokoa mtu yote. Il peut vous sauver. Anaweza kukokoa. Mais si vous ne l'éliminez pas. Na kama mutoshe. Les hôtels de vos pères. Mazabao ya baba yenu. Vous allez faire ça. Utateseka kabisa. J'étais en train de prêcher. Nilikuwa na hubiri. Il y a quelques années. Kuna kwa miaka kidogo. Ici à Efata. Hapa ku Efata. Chez le pasteur Raf. Kwa apôtre Raf. J'étais au bureau. Nilikuwa kule ku ofisi. Il m'avait donné son bureau. Alinipatia ofisi yake. Pour recevoir les gens. Ndio ya kupokea watu. Je vois une maman. Mi naona mama moya. Qui entre. Anaingia. Au lieu de parler. Pale aye kusema. Elle a commencé à pleurer. Anaanza kulia. Alors le garçon protocole de Efata. Na ule protocole wa ku Efata. Qui me l'avait amené. Mwanyari muleta. Il me dit papa pasteur. Ase baba mchungaji. Mais qu'on a un problème kwa yangu. Ils ont un problème trop difficile. Si vous pouvez les aider. Alors je demande à la maman parle. Na mwambia mama useme. Elle pleure. Ana ria tena. Elle avait toute la blouse trempée. Na nguo yote lilobana. Parvenez pas à parler. À quoi n'as-tu pas osé kusema? Je lui dis, tu m'attends. C'est bon, il subira. Je vais recevoir tout le monde. Mita poke ya batu bote. Et toi? Na weye. Nous allons à Kipush. Tutenda na weye ku Kipush. Pourquoi tu me parles? Njoo nisemeze. Ils sont descendus à Kipush. Na bakafika ku Kipush. Écoutez ce que cette femme m'a dit. Musikia ambayo le mama alisema. Elle me dit, pasteur. Asema mchungaji. J'ai été marié à 15 ans. Mie balinyowaka na miaka 15. Okasai. Okasai. J'étais totalement vierge. Mais nilikuwa kabisa bikira. Mon mari m'a épousé, il avait 18 ans. Na pale mume wangu alinyoa alikuwa na miaka 18. C'était un véritable puceau. Alikuwa. Il n'avait jamais connu de femme. Akukuwa kekamwanisha kujua banamuke. Donc pour la première fois que j'ai goûté à un homme, c'était mon mari. Mara kwanza ambao nilionja mwanamke ilikuwa ni mume wangu. Et pour la première fois que mon mari goûtait une femme, moi. Na shikuwa kwanza ambayo bwana yangu alionja mwanamke ilikuwa ni mie. Na hapo tulileta maisha yetu tukua biyana. Deja 22 ans nous étions en Jésus. Na hapo ma 22 ans tulikuwa ndani ya Kristo. Nous avons commencé à marcher avec lui. Tunaanza kutembea pamoja naye. Nous avons quitté la province où nous sommes mariés. Tulitoka kujimbo ambako kule tulioana. Nous sommes arrivés au Katanga. Na tunafika huko Katanga. Au Katanga Dieu nous a beaucoup béni. Na huko Katanga Mungu alitubariki kabisa. Nous avons ouvert des magasins. Tulifungula maduka. Nous avons ouvert des pharmacies. Na tukafungula ma pharmacy. Ça n'a pas traîné. Mchungaji abikugawie. Toute la joie qu'on avait en Jésus là. Fora yote ambayo tulikuwa nayo ndani ya Yesu. A disparu. Ikapotea. D'abord ça commence comment? Na bilianza je. Une série des événements noirs. Kulikuwa mambo moya ya mobaya rifatana. Malalamiko ya mazabao. Itamiteseshwa kama vile mwazie. Imaginez-vous une nuit. Mtazameni bushuku bumoya. Pendant qu'il dormait. Wakati balikuwa nalala. Des voleurs vont entrer. Ba mwizi wataingia. Et ils vont les séquestrer comme vous n'avez pas idée. Na walibabamba kama vile mweza kuzania. Ils vont les taper toute la nuit. Bariba pika bushiku bujima. Et ils vont voler une somme importante d'argent. Na bakabeba makuta moya mingi sana. Je ne me souviens pas.
femme, et je pense qu'elle m'avait parlé de 50 000 $. Nazania l'ignambia comme elle quoi 50 000 $. Et ces gens-là sont partis. Là-bas les bateaux balienda. Alors le matin, Nabusubui, ils se sont dit. Vakasema, nous n'allons pas vivre dans cette commune. Atuweza kuishi mwa hii commune. Changeons de commune. Tubadilishe commune. Puisque ici nous sommes comme des produits remarquables. Hapa tunakuwa kama bantu benye wanakuwa wanaonekana. Tous les gens mal intentionnés la nous voient. Ba mwinji bantu bote ba mambaromba yabeko natuona. Ils changent de commune. Banabadilisha commune. Dans la commune ils sont arrivés. Mu commune mwenye balingia. Ils n'ont fait que un mois. Balifanya motu mwezi mmoja. Pendant que toute la maison était bien fermée. Na japo nyumba ilikuwa ishakufungwa vizuri. Ils sont allés dormir. Banaenda kulala. Le matin ils se réveillent. Asubuhi banaamuka. Ils trouvent quelqu'un. Banakuta mtu. Qui est pendu devant l'arbre de leur maison. Mtu mwenye anisha kujitundika mumucha mumpango yabo. L'état vient, on arrête le frère. Na pale l'état inakuya banamufunga ule nduko. On amène à la Kasapa. Banampeleka ku Kasapa. Les avocats ils vont lutter le frère sort. Pamoja na watetaji bali fanya yote nduko anatoka. Ils étaient découragés. Bali pungukiwa moyo. Vile balikuwa wasemashi mkanisa mwa fulani. Le pasteur a beaucoup exhorté. Na mchungaji aliwasubutisha kabisa. Mwaka moja kisha. Mtoto mmoja alikuwa anacheza. Na pale bana mkokota ku cuisinière. Anakufa. Le couple s'est dit. Na ile Josi kajiambia. Tulimfanya Mungu nini? Wakati tulikuwa bapagano. Mambo yetu ilikuwa inaendeka mbele. Tunakuwa ba Kristo. Problème sur problème. Mambo juu ya mambo ingine. La femme avait décidé même de se retirer de l'église. Na ule mama aliwa mpango ya kuachana tena kanisa. Mais elle a été exhortée. Baka musubutisha. Elle a repris. Na pale akarudia tena. Mes amis, quelques temps après. Banduku yangu wakati mwa fulani tena. Na japo wao walikuwa kuduka. Le mari et la femme. Muke na bwana balikuwa kuduga. Na muzaliwa wa kwanza iko nacheza na mtoto kiloko munyumba. Balianza kucheza mumambo ya kufuchama. Huyu mwingine anaenda kafuchama chini ya kitanda. Wakati anajikuta chini ya kitanda anakutana mo na bunduki. Acheter le fusil pour se protéger. Na ule nduko aliuza ile bunduki njoo kujilinda. Compte tenu du fait qu'il était à tout moment violé. Je vais le varianza kumwingiliria kila mara. Alors il a acheté ça. Na alikauza ile bunduki. L'enfant n'était pas au courant que dans la maison, à la chambre des parents, il y avait un fusil. Na batoto bako najua sema mu nyumba ya batoto ya bazazi mlikuwa bunduki. Mungu kucheza tu ndio barenda kuvumbula ile bunduki. Alors le cadet dit au aléné. Na ule wa mwisho anamwambia mzaliwa wa kwanza. Hii inaweza kuwa ni jouet tu. L'aîné qui lui dit c'est un vrai. Alors il essaie de charger. Bana pima kui charger. Il sent ce craquement là. Bana shikele fa crack. Il veut montrer maintenant au cadet. Anapenda kumwambia ule mtoto kidogo. Ya kama ni ya kweli. Oubliant que son père la nuit. Anatsabu ase baba yake bushiku. Avait logé une balle dans la chambre. Aliweka bali mshambo mwe. Puisqu'il avait senti des mouvements dehors. Anjo alishikia ma mouvement mwa inje. Lors il a chargé, il a mis la balle est entrée dans la chambre. Na pale alicharge aliweka bali mshambo. Alors nene ne sachant pas. Ule wa kwanza mwenye kushukujue. Angaria, il déclenche. Pale anapanya anaachiria. Écoutez. Mshikie. La balle touche l'enfant. Na ile bali na bamba mtoto hapa. La tête saute. Kichwa kinaluka. Comme la fenêtre des parents. Vile dirisha ya bazazi. Était ouverte. Ilikuwa wazi. La tête va tomber dans la parcelle voisine. Na kichwa kinenda kuanguka mu pasteur parcelle ingine. Était en train de boire. Kwenye batu barianza kunwa. Ils ont vu seulement une tête. Anaona paka kichwa na damu. Tomber. Kinaanguka. Tout le monde a fui. Bantu bote banakimbia. Et quand la police viendra. Na wakati polisi itakuya. Elle trouvera que c'est l'aîné. Banakuta sema ni muzaliwa wa kwanza. Ashukujue kama ilikuwa ni silaha ya kweli. Na anaacha. Na mama ananiambia. Mchungaji Ezra. Wakati ulikuwa nafundisha. Sasa Mungu wako anaweza kuleta jibu kwa mambo yote. Mimi ninabeba mpango. Kama Mungu ashinijibie. Mitajua.
Frère, mettez-vous à ma place. Bandoku mujeke ko pafashi yangu. On vous confirme telle tâche. Bana kupatia kazi kama ile. Pour prouver que Njoo ya kuonesha kama. Il y a un Dieu de la Bible. Koko Mungu moyo wa Biblia. J'étais dans mon bureau. Nilikuwa mu office yangu. J'ai transpiré. Nikatoka jaso. J'ai prié. Miliomba. Rien. Hakuna hata kitu. J'ai dit à la sœur ceci. Nikamwambia ule mama hivi. Ma sœur. Mama. Moi je ne suis pas prophète. Mie siko nabi. Mais je sais que Minajua ya kusema. J'ai l'habitude dans mon cœur. Inajua na zoezo mu moyo wangu. De causer avec Dieu. Ya kusumburia kwa na Mungu. Hey, pitié de moi. Unishikirie kwa buluma. Donne-moi même 4 jours. Unipatie kwa masiku hata 4. Laisse-moi prier. Unyache kwa niombe. Peut-être. Sa zingine. Il peut me parler. Anaweza kunisemezea. Mais j'aurai le courage s'il ne me dit rien. Kama shinyambie kintu. J'aurai le courage de te dire qu'il ne m'a rien dit. Takwambia, atakuwa na hodari ya kukwambia sima sikunyambie kitu. Il est parti de kipushi, découragé. Anatoka mukipushi ule mwenye kupungukiwa kabisa. Elle dit même mon frère. Anamwambia na ule nduku. Njo pasteur Ezra surianza kunyambie. C'est le pasteur Ezra que tu me parlais. Njo yishina Yesu, nari kwa mbezi ni uye. Ah. Niku muntu. Je suis un humain. Pasteur kanyane chaque mambo yodanako. Il n'y a pas un pasteur qui peut terminer tout le problème. Il n'y a pas. Celui qui finit tout, c'est Jésus. Je suis resté, j'ai commencé à prier. Mina bakeni kaanza kuomba. Niliombaka kama vile siyaombaka. Écoutez la chose qui m'a sauvé. Mushike kitu ambacho kilinyokoa. J'ai vu en vision, j'avais les yeux fermés. Niliona muonyo, nilikuwa na mencho yenye kufunga. Je vois en vision. Mina ona muonyo. Deux vieilles personnes. Bantu bamwa bazé bawiri. En train de faire boire. Beko na nishana. À la femme. Kwa ule mama. Et à l'homme. Na ule baba. Deux choses dans un verre. Bintu mukikombe mwa fulani. Mais ça ne s'est pas accompagné avec une interprétation. Haikusindikizwa na matafsiri mwa fulani. Je n'ai pas eu d'interprétation. Sikupate matafsiri. Mais je l'ai appelé. Nikamuita. Je dis reviens. C'est rudia. Je dis ma soeur. C'est ma dada. Quand je priais pour toi. Wakati nilikuwa naomba juu yako. J'ai vu toi. Mimi nilikuona wewe. Et ton mari. Na bwana yako. Minaona bantu bawiri banaume. En train de vous faire voir, boire des choses. Mushike ule mama nasema. C'est ndio. C'est quoi? Elle me dit ça. Ananiambia hivi. C'est mchungaji. Mon père est un grand chef. Baba yangu mie alikuwa chef kubwa. Kule ku Kasai. Alikuwa chef kubwa. Mon mari. Na bwana yangu. Son père aussi. C'est un grand chef d'une autre tribu. Alikuwa na yeye baba yake alikuwa chef kubwa wa kitu mingine. C'était un unité. Na bali kwa bakwa na patana. Ils s'entendaient pas. Abakuwa kana patana. À un certain moment. Kwa wakati mwa fulani. Ils se sont entendus. Na baka patana pale. Ils sont devenus des vrais amis. Baka kwa barafiki kabisa. Alors ils devaient faire une alliance dans leur amitié. Na bali pasha kufanya agano moya muburafiki bwabo. En quoi consistait cette alliance? Na ile agano yabo ilikuwa ni nini? Ils devaient donner. Bali pasha kupeleka. Leurs enfants respectifs. Batoto yabo wapendwa. En mariage. Bapate kwa wana. C'est comme ça que mon père m'a choisi. Moi. Je mille baba yangu alinichakula mie pour m'étonner. Dieu a kunipeleka au garçon kwa ule mwanaume de cet autre grand chef. Ya ule chef mwingine. Nous nous sommes mariés comment? Na tujuana je. Nous sommes allés. Tulienda sur une tombe. Pakaburi mwa fulani. Alors mon père s'est tenu debout. Baba yangu akashimama bwima. So le père de mon mari s'est tenu debout. Na baba yake ya bwana yangu alishimama bwima. Nous nous étions assis. Na sisi tulikuwa tunisha ikala. Face contre face. Tulikuwa tushangaliana. Nous nous sommes tenus à la main. Tukabambana ku mikono. Nos deux grands chefs là. Na bale ba chefu betu bakubwa. Ils se sont salués. Bakajisalimia. Ils ont dit personne n'attaquera l'autre. Asa hakuna hata mwingine anaweza kuamakia mwingine. Na njoo tuweke katika tendo agano yetu. Aba toto wetu bawiri banapasha kuoana. Na bari tema mate. Ma makoria mingi. Dans leur tasse. Mu matasi yabo. Et ils ont fait boire à mon mari. Na bakamunyisha bwana yangu. Et ils m'ont fait boire aussi. Na mi bari ninyisha. Et ils nous sont bénis. Na pale bari tubariki. Les grands chefs bénissent le mariage. Na ba chefu bakuba banabariki ndoa. Et quand nous nous sommes mariés. Na wakati tulioana. Nous avions
un bon mariage. Na tulikuwa na ndoa nzuri. Nous nous sommes aimés sérieusement. Na tulipendana kabisa. Na tulitoka kule ku Kasai. Nous sommes venus au Katanga. Na tukafika huko Katanga. Pastor, tout ce qu'on faisait. Mchungaji, yote ambayo tulikuwa nafanya. Marche à merveille. Bilikuwa natembea kama vile natakiwa. Tunakuwa katikati ya batu ya kwa bakwanza bali baliendaka mu Dubai. Na huku kushini tulianza kuenda kunakuwa miaka mingi. Na tulitembea mu mandeke kubwa. Mais le problème a commencé quand? Mambo ilianza wakati gani? Quand nous avons donné nos cœurs à Jésus. Wakati tulimopana Yesu mamioyo zetu. Au tout de prime abord. Kuanzia mwanzo. Ça marchait. Biliandika mbele. C'était la joie. Ilikuwa ni furaha. C'était la liesse. Ilikuwa ni furaha kabisa. On venait de découvrir le Seigneur. Tulikutana na Bwana Yesu. On l'aimait. Tulimupenda. Mais ça n'a pas fait longtemps passer. Akina ibikukawie kamwe mchungaji. Nous avons senti que maintenant. Na tulisikia kama hapa sasa. Yote ilianza kupingana na shio. Hata bitu vile tulianza kufanya na wepesi yote. Ilikuwa na tupinga kabisa. Na pale mamambo inaanzishwa. Tukapotesha batoto bawili. Moya bali mkokota kukuwa. Na mwingine bali mpika masashi kwa ndugu yake. Mie huyu kama mkristu. Par des bandits. Balini baka kupitia wajambazi. Nous avons souffert. Na mchungaji tuliteswa kabisa. Nikamwambia. Unajua nini mko nateswa? Njoo mazabao. Kave construit vos pères. Yenye baba yenu balijenga. Ensemble avec vous. Pamoja na mweye. N'avait jamais été renversé. Haikuwa haikubomolewa kikamo. Vile unafika mkuivumbula. Kwa ajili ya mamambo mibaile limifikia. Leo bitashimama pale. Nikaita bwana yake. Tunaanza ufungulivu pale. Banduku yangu, mina fukusha kama mpepo mu maisha yangu. Na shukonisha ona kama mpepo ambao niriona mubale bawiri. Miriona bionesho bia hali yote. Unaona bibi mwa murembo. Eko na misemezea na sauti ya mwanaume. Na ule mute kuna sauti kubwa. Eko nasema lugha ya kikongo ambayo ye mwenyewe hakujue. Bitu bile nikuwa nashikia pale chini. Mapepo ya kila haina ikatoka. Natokea ile siku. Vous savez qu'ils ont connu tellement une prospérité. Unajua baliishi kustawi kumoya. Que quelqu'un m'a dit. Ya kama mtu mmoja aliniambia. Pour le moment. Nunjui ya hapa sasa. Presque toute la famille est en Europe. Na jamaa yote mzima inakuwa mu Europe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ni nini lipitika? Quand ils sont allés à Jésus. Wakati balienda kwa Yesu. L'hôtel connaissait. Mazabao ilijua. C'est moi qui vous ai marié. Ni mie ndio nilimioesha. C'est moi qui ai fait de vous ce que vous êtes. Na mimi ndio nilifanya kile mwiko. Jumwe munaichikia ule Mungu ule. Alors je crierai contre. Na mimi talalamika juu yenu. Vous allez dans le commerce. Munenda mu biashara. Je vais crier contre le commerce. Mitalalamika juu ya biashara. Vous allez à Dubai. Munenda ku Dubai. Je vais crier contre le Dubai. Mitalalamika juu ya Dubai. Vous allez voir de toutes les couleurs. Mutaona bia rangi yote. Batu mingi hapa biko nateseka. Cause des hôtels qui sont encore debout. Njoo ya mazabao ambayo inakuwa tena bwima. Munaamini ya kwama. Tous les hommes de Dieu ici. Aba batumishi ba Mungu bote. Beko na sharatika na banamuke ovyo. Munazania kama ni mipango yabo. Mishiwazie mwanaume moya. Mwenyaneza kwa mukanisha. Avec la decision, il dit, Seigneur, je viens dans ton église. Bwana, mina kwa mukanisa yako njua sharatika na banamuke bote. Si tunakuyaka na mani ya mazuri. Si tunakuwa njua kumutumikia. Na kuenda pembeni kunatokea wapi? Mazabao. Je vous dis
tout pasteur qui a des problèmes d'hôtel dans sa vie, il peut bien marcher avec Dieu jusqu'à un certain moment. Mais l'hôtel, quand il va commencer à crier, mazabao wakati itaanza kulalamika, ce pasteur là va faire des choses. Ule mchungaji atafanya mambo. Parfois qui vont vous étonner. Sengine takushangaisha na wewe mwenyewe. Moi j'ai vu un pasteur qui me dit. Niliona mchungaji mwana nyambia. Pasteur, est-ce qu'on a wazia ce mtu sani? Pasteur, est-ce que vous vous imaginez un homme comme moi? Je peux me réjouir de ce que j'ai fait aujourd'hui? Je lui dis non. Vous me croyez? Tel que je t'ai connu à Kamina. Ah ouais, est-ce que vous me tu ne peux jamais t'en réjouir. C'est papa. C'est Mchungaji. C'est quelque chose qui se lève à moi. Tu sais pourquoi Dieu ne te tue pas? Yes. Alors il connaît la cause de ton malheur. Toi tu ne le connais pas. Regardez un peu tous les pasteurs. Il était bien en relation avec Dieu. Et il commence des choses troubles. Demandez qui était son père, qui était sa mère, comment ils ont grandi. Et tu auras la réponse au problème qu'ils ont. L'hôtel. Mazabao. Ça peut parler contre ton mariage. Et ne vous attendu à Ndoa ya quoi. Il n'y a pas un endroit où il y a de belles filles, de belles, de beaux enfants si ce n'est qu'à l'église. Tellement qu'elle est belle. Elle n'est pas prise à mariage. On n'a jamais appelé. Qu'est-ce qui manque à cette fille pour qu'elle soit chez soi? L'hôtel. Mazabao. Maintenant que le mariage est une solution, on ne l'apprend jamais à mariage. Vas-y. Toutes les fiançailles que tu fais, tu refais. Parce que moi j'ai souffert. En tant que pasteur, il n'y a pas personne qui est dormi affamé comme moi. Tellement que j'ai manqué à manger. Mais à ce moment-là, j'ai craigné Dieu. Après, dit quoi, moi, je n'ai jamais joué avec Jésus. Mais depuis que je suis en Jésus, je m'efforce d'être un homme de Dieu correct. Mais ça n'a pas empêché à l'hôtel. Ya mazabao. De crier contre moi. Il a la mika njou yangu. Je dormais par terre. Il a la chini. Je m'habillais mal. Il kwa na vala mbaya. Je mangeais mal. Il kwa na kula mbaya. J'étais un pasteur. Il kwa mchungaji moya. Qui n'était bon que dans la sanctification. Il kwa tu mzuri mpaka mutakaso. Dans les autres domaines. Mama atua ingine. C'était de la bouillabaisse. Il kwa ni mbaya. Et pourtant je voulais aussi avancer. Na japo nilipenda na mimi niendelee mbele. Je voulais que mes enfants étudient dans les bonnes écoles. Nilipenda batotongo bafunde mu mashule mazuri. Ma femme s'habille bien. Nilipenda na mimi bibi yangu avale kwa mzuri. L'hôtel. Mazabao. Crier contre moi. Il kwa na lalamika juu yangu. Crier contre ma prospérité. Il kwa na lalamika juu ya uzao wangu. Jusqu'à ce que j'ai découvert. Mpaka si kwa mboni ya vumbula. J'ai renversé. Nilibomola. Je ne vous dirai jamais. Hein? Ce n'est pas moi qui vous dira que je suis millionnaire. Aïna mita miambia senyo ko millionnaire. C'est faux. Ni bia bongo. Ce n'est pas moi qui vous dira que je suis multiriche. Miambia senyo ko mutajiri zaidi. Faux. Ni bia bongo. Mais demandez à Satan. Akimu mulize shetani. Demandez à Dieu. Mulize na Mungu. Tous les deux vous diront que ce garçon n'est pas un pauvre. Bote bawili batamiambia se wiki yana ana maskini. Je vous dis.
Je ne vous demande pas de demander aux hommes. Moi, je prends deux témoins. Dieu, et Satan. Demandez-le. Même Satan vous dira. Ata Shetan ata kuambia. Il n'est pas pauvre. Ana maskini. Il le reconnaît. Analiwa. Si tu te vas du côté de Dieu, kama shuvote kwa Mungu, il te dira la même chose. Mungu atakwambia vile vile. Et si tu me demandes moi-même, kama unaniuliza mimi mwenyewe, la même chose. Ni vile vile tu. Je ne suis pas pauvre. C'est pas maskini. Amen. Amen. Ah oui. C'est pas discuter. Haina mambo ya kubishana. Comme ça. Mais je ne prêcherai jamais ça. Na mimi sitahubiri aka kamwe ile. Mais je vous dis que le diable ne peut pas me toucher de ce côté-là. Il ne peut pas. Na Shetani hashezi kunipata ku ile mangambo, hashezi kunipata. Mais il m'a fait souffrir comme vous n'avez pas idée. Alinitesesha sana. Mimi nasema shukaka mimi mtu wa Mungu mimi naanza kuomba sema Shetani wetu. Shuniache. Kumuita Shetani wetu. Shuniache kushikia hapa. Munivo ya kuangaika. Amen. Amen. S'il vous plaît, je vais donner une troisième raison et nous allons prier. Nous allons. Nataleta sababu ya tatu tutaomba na tutaenda. Quelle raison? Ni sababu kani ya tatu. Pour laquelle? Ile ambayo nous devons renverser l'autel. Tunapasha kuangusha madhabahu. Écoutez. Shikia. Nous devons renverser l'autel. Tunapasha kuangusha madhabahu. Car l'autel, kwani madhabahu, a le pouvoir de réclamation. Inakuwa na mamlaka ya kuomba. Pour vous écrivez, je vais répéter. Dieu ya moyo munanjika mitarudiriria. Première raison. Sababu ya kwanza. Ériger un hôtel. Kujenga madhabahu. C'est inviter les divinités. Ni kuita mamiungu. Deuxième raison. Sababu ya pili. Nous devons renverser l'autel. Tunapasha kuangusha madhabahu. Car les autels parlent et crient. Kwani madhabahu inasemaka na ikuna lalamika. Troisième raison. Na sababu ya tatu. Nous devons renverser les autels. Tunapasha kuangusha madhabahu. Car les autels ont un pouvoir maléfique de réclamation. Juu madhabahu ina uwezaji kamilifu ya kuweza kukureklame. Pour vous prouver que ce que je dis est biblique, je ne crains rien. Juu ya kukonesha sema iku ya kibiblia na shiumbe kitu. Twende mu Bible. Turudieni mu kitabu kya Mungu. Nous sommes dans Apocalypse. Tuko paka mufunuo. T'es éliminé pour crétin. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Verset 9 à 10. Apocalypse chapitre 6 verset 9 à 10. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été. Attendez, attendez. J'ai vu où. Il y en a wapi. Quand il ouvrit le troisième sceau, moi j'ai vu où. Sous l'autel. J'ai vu sous l'autel. Les choses qu'il va voir, ils étaient sous l'autel. Sous l'autel. Ça m'a donné autel puissance. J'ai vu sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant jusqu'à quand? Écoutez, ils criaient comment? Ils réclamaient quoi? Baranza kulomba nini? Ils crièrent en disant jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de, quoi? De notre sang sur les habitants de la terre. Ça, ce sont des choses que j'ai vues. Il dit Dieu lui ouvre les yeux. Mungu anamfungula macho. Il voit un hôtel. Anaona madhabahu. Seulement il regarde sur cet hôtel. Na hapo anaangalia pa ile madhabahu. Il y avait quelques âmes sacrifiées. Kulikuwa manafsi ambao walitoa.
Les âmes étaient sur l'autel. Naile manaf si ilikuwa pa mazabao. Mais que faisaient ces âmes là, ces sacrifices là? Naile masada que ilikuwa nafanya nini? La Bible dit que ces sacrifices réclamaient. Na Biblia nasema ile masacrifice ilikuwa na réclamer. Elle criait. Ilikuwa na lalamika. Jusqu'à quand? Mpaka wakati gani? Vas-tu venger? Utaweza kulipisa kiasi? Notre mort. Kifo kietu. Jusqu'à quand? Mpaka wakati gani? Tu vas réclamer. Unaweza kuomba. Le sang. Damu. De ceux-là qui nous ont tués. Ya bale barituua. Ils étaient en train de crier. Barikuwa na lalamika. À partir d'où? Kutokea wapi? L'hôtel. Juu ya mazabao. C'est ça. Jo ile. Et c'est la raison pour laquelle Dieu ne veut jamais voir. Dieu mana Mungu asipende kamwe kuona. Un chrétien. Mu Kristo hata moja. Qui marche en Jésus. Mwenye anatembea ndani ya Yesu. Qui par ignorance. Na ye kumkutokujua. A laissé les hôtels debout dans sa vie. Aliacha mazabao buima maishani mwake. Détrompez-vous frère. Jidanganye nduku. Lisez votre Bible. Someni Biblia. Le salut. Okovu. Nous donne le droit d'aller au ciel. Ina tupatia shurti ya kuingia mbinguni. Jésus ne nous a jamais dit. Na Yesu ashatuambiaka kamwe. Si vous êtes sauvés. Kama umeshaokolewa. Vous n'aurez pas de problème dans votre mariage. Amusta kuyaka na mambo mundoa yenu. Dans aucune Bible vous ne trouverez. Hakuna hata mu Biblia mo unaweza kukuta hiyo. Quand Dieu nous sauve. Wakati Mungu anatokoa. Ça nous donne le droit. Inatupatia sheria. D'aller au ciel. Ya kuenda mbinguni. Tout celui qui est sauvé. Ule ote ameshaokolewa. Il a le droit légal. Ana shurti d'entrer au ciel. Ya kuingia mbinguni. Mais la Bible ne nous a jamais dit. Biblia yatuambiaka kamwe. Qui est sauvé. Ule ota mesha okolewa. Obtiendra son diplôme universitaire. Atapata cheti yake ya somo ya juu. La Bible n'a jamais dit ça. Biblia yasemaka vile. La Bible n'a jamais dit tout celui qui est sauvé. Biblia yasemaka ule ota alokolewa. S'entendra toujours bien avec sa femme. Atapatana mzuri kabisa na bibi yake. Bien que le salut peut vous apporter cet aspect de choses. Ingawa okovu inaweza kuwaleta ile hali ya bitu. Le salut en lui-même. Ata okovu ndani yake mwenyewe garantit pas la réussite du mariage. Ayakikishe kama utaweza mundoa. Si te salue kama ukovu a lui seul. Kwa ye mwenyewe pouvez garantir le succès du mariage. Inaweza kutuwezesha mundoa. Alors aucun pasteur ne divorcerait. Hakuna hata mchungaji mwa aliweza kuvunja ndoa. Et pourtant kama unangalia leo ba champion mu divorce ne paga ba mama mioto ba mafaya. Si tu essaies un peu de voir aujourd'hui les champions dans les divorces, ce sont les gens qui sont forts dans le feu. Oui, Rasson a gardé toujours sa femme. Il n'y a que ceux qui ont de l'onction, ce sont qui chassent les femmes. Ce sont les hommes au feu qui chassent. Vous ne posez pas la question, eux qui ont le feu, qui soignent le mariage d'autrui, mais pour eux, pourquoi ça ne soigne pas? Salut à lui seul. Donc, pourquoi vous croyez, ne garantit pas le succès du mariage. Tu peux être sauvé. On a ouvert sa cocole. Mais si tu n'es pas ouvert spirituellement, comme on a fongulé wa kiro, tu peux être sauvé, mais tu as un mariage gain. Tu as tellement échoué dans le mariage. Ah, surtout à notre époque, il n'y a pas de gens qui ont connu des échecs dans leur mariage. Les pasteurs, ceux qui vont chasser les femmes, ceux d'autres. Celui qui tabasse la femme depuis 22h jusqu'à 6h, ce sont d'autres. Vous vous posez quand même la question. Vous vous posez la question, c'est quoi qui pousse un homme de Dieu de se battre avec sa femme? Un homme comme moi. Que je puisse taper maman Emily. On m'a ensorcelé. Je ne le ferai jamais. Si t'as ifanya kaka moi. Ni mon homme que moi mille chakoule ou abane chakoua. Mi bane chaka kukausha. Ma quoi bane semaka ikimutu bane chaku kione ya bane yone. Kama kukunyone kumwa kule mille chakoule ni kwa mama Emily. Tu sais pourquoi? Les hôtels. Regardez tous les pasteurs qui ont divorcé. Si tu montes un peu en haut,
Tu vas trouver que son père avait aussi divorcé. C'est quoi? Les hôtels de son père, ça le réclame. Ça le réclame. Même si tu as fait 17 ans sans divorcer, sache qu'un jour tu divorceras de ta femme. J'étais sur le campus ici. Il ne croit pas comment ça, Moyadjou. Je crois que ça doit être en 2002. Nazanien, il y a eu quoi en 2002? Les étudiants m'ont invité. Étudiants balinita. Pour que j'enseigne sur la sorcellerie. Je n'ai fondé chez Pabouloji. On avait pris toute une semaine. Tu lui as dit que tu es j'ai commencé à enseigner sur la sorcellerie. Premier jour. Il y en a une qui m'a dit en pleine prière, papa, Nicolas Boulanger, c'était du désordre. Il croit les mouvourou kabisa. J'ai vu un garçon qui était là. Ni lui on a qui en a moi le quoi chez Kala Kule Kumuisho. Il y a un zapaka courir. Il pleurait abondamment. En a ri à kabisa. J'essaie de le regarder. N'a pas ma kumangaria. Je dis Dieu, pourquoi il pleure? C'est on a ri à Nini Mungu. Je n'ai rien eu. Mais je ne peux pas t'acquitter. Quand la séance est terminée, je me dirigeais vers la voiture. Les étudiants avaient déjà mis un dispositif là pour me protéger. J'ai vu ce monsieur là quitter la salle. Il a bousculé tous les protocoles. Ah, ils l'ont bloqué la voiture. Le chauffeur était prêt à démarrer. Na chauffeur alikuwa karibu aende. Ce garçon là a lâché une phrase. Na ule kiana katosha misemo moyo. Yenye ilinigusa. Il a dit aux étudiants. Anambia bale ba étudiants. Si vous ne permettez pas que je voie le pasteur Ezras. Kama munirusu ni mone mchungaji Ezras. Ne vous étonnez pas demain si vous apprenez que je me donne la mort. Mushishangai kama kesho mnashika sasa mimi nariwa. Mimi nashikia ile. Je dis au chauffeur arrête. Namwambia kiana simama. Je lui dis avance. C'est kuya. Il vient. Anakuya. Il me dit pasteur regarde mon âge. Anambia sangaria miaka yangu mchungaji. Je suis un étudiant. Mimi mishi na étudiant. Misha kushaka kuna kwa miaka mingi. Mimi kuyo huko njoo kukufuata. Niko na mambo moyo ya nguvu sana. Yenye nani? Si tu peux m'aider. Kama unaweza nisaidia. Namwambia ndugu yangu shikia. Il est 22h. Tuko 22h. Je dois rentrer à la maison. Mimi napasha kurudia kunyumba. Aki na kupatia rendez-vous. Là où les étudiants m'ont logé. Kuya kule ba étudiants ba niweka. Arrive à 9h. Je vais te recevoir. Mita kupokea. À 9h. 9h. Monsieur était à la porte. Ule mwoki yana alikuwa kwa mlango. J'ouvre la porte. Nafungula mlango anaingia. Il me dit pasteur. Anyambia mchungaji. Ce que je vais te dire. Kile mita kuambia. C'est du. Mais si tu peux m'aider. Kama unaweza unisaidia. Je lui dis raconte. Soni unya disie. Écoutez l'histoire de l'homme. Mushikia disi ya ule mtu. Toujours des vierges. Hein? Paka babikira. Il me dit pasteur. Ananyambia mchungaji. J'ai grandi. Ikumala. Jusqu'à l'âge de 17 ans. Pas comme Mia qui a 17 ans. Je n'avais jamais connu de femme. Si à Kouyoua Kakamoui Mwanamouke. À 17 ans. Ça y a 17 ans. Je reçois Jésus de Nazareth. Namopoke à Yeshua Nazareth. Je deviens chrétien. Mina kwa mu Christo. Je m'engage dans une église. Mina jito wa mukanisa mwa fulani. J'étais engagé et engageant. Nili jito wa mwenye kujito wa tena kabisa. Que mes prouesses étaient visibles. Na hapo maishara yangu ilikuwa naonekana. L'église m'avait copié. Na kanisa yote linikubali. J'ai marché de 17 ans. Nilitembea kwanza miaka ya 17 jusqu'à 27 ans. Mpaka mu 27 ans. Dans le Seigneur Jésus. Ndani ya Yesu Kristo. Kamwe mie si abambaka mwanamke. Na mwenye madaraka wa kanisa. Barielewa ya kama. Je pouvais jouer le rôle aussi d'un responsable. Na mimi niliweza kuwa kama mwenye madaraka. Ils m'ont confié une paroisse. Na bali nipatia paroisse mwa fulani. Nilikuwa mchungaji na miaka ya 27 ans. Nilikuwa na moto kabisa. Matabiri yako ya kutafuta. Niweza kwanza kuomba. Niweza fuata masaa 5 ya maombi.
Donc pas de téléphone qui cause moi à mon balcon à l'état chaudière mon canis à être consacré pasteur. Na wakati wali nipaka la mafuta ya buchungaji. Nilikuwa natembea pamoja na Mungu kadiri ya miaka 5. Kama sikufanya ke mambo ya haya. Mpaka wakati ambao niliaminisha binti mwa kidogo. Na alikuwa na 16 ans. Aba kumupenda ke mujamaa yabo. Alikuwa na mabilonda mingi, alivunjwa moyo kabisa. Na nilimupenda ndio alianza kujitoa kwa Bwana. Nikaanza kumuongoza. Niambie yule mchungaji ananiambia. C'est commence ya mahusiano yetu. Na mahusiano yetu ilikuwa kabisa takatifu. Alikuwa ananiheshimia kama baba yake. Na nilimheshimia kama binti wangu. Tulikuwa na kuzungumzia Mungu. Alifanya cure d'âme yake. Alibeba furaha kwa kunyumba tunagawanya neno. Hapa le mahusiano yote ikaanza kubadilika. Aye kukuye takatifu. Wakati alianza kuya. Mimi naanza kumtamania. Na nilikuwa naona gisi gani alianza kusema niko tayari. Kupitia mencho yake. Kupitia misemo yake. Na kumwanza kule tulikuwa nasemezea Mungu. Na pala pa kukuye tena Mungu. Tuanzo semea Fayulu na Fachi. Inaanzaka paka vile. Inaanzaka paka vile. Vile batumishi ya Mungu munishikie. Kebeni ange na miambia. Kama mtumishi wa Mungu achitumike pamoja na bibi yake, njuu yangu yuko na hatari. Mimi najua. Anza kusema vitu vya ovyo na ule mwanamke. Na zaidi kabisa. Nos langages devenaient sensuels. Na pale binaanza kwenda mbali. Tunaanza kusema kabisa binadamu. Mwili ilianza kutawala mahusiano yetu. Heshima ambayo ilikuwa kati yetu inapotea. Mwanzo kulikuwa wanaita baba. À la fin c'était pasta. Na kumwisho ilikuwa ni pasta. Wanamita pasta. Na pale ile achanisho ikaanza kupotea. Pastori sikuelewe. Anakuja. Nikaanza kumupapasa. Ashikukata lake kamwe. Akafurahia na ye. Na pale tukaenda. Tukaenda mbali kabisa. Mpaka pale mambo ya tuweza kutengeneza ikafika. Nikaanza kusharatika na ule binti. Na bile bina nyuma sana mchungaje. Ni mie tu njo potesha biubikira pake. Na hapo akatoka damu kabisa mukipanda kusema nilishikwa na boka. Na pala rilala kwangu. Na kesho tulienda kulanda bazazi. Tukabalanda. Na tuliendelea mwile michezo. Na kila siku tulikuwa na sharatika. Akapata mimba tukapomona. Mchungaji. Na bile bitu vikanibeba na kunipeleka mbali. Mbele ilikuwa ni ule dada. Na kwa wa pili. Na kwa wa tatu. Minajikuta na 32 copines mukanisa. Mchungaji abikushimamie pale. Kumwanzo ilikuwa ni wabinti. Ye mwenye ananiambia mchungaji. Kama unaingia muile mambo. Haustaelewa tena kintu. Minaanza kufata taba mama. Naweza kufata ta mama mwenye tunachana naye miaka 10. Aucune ne m'a refusé. Hakuna ta mmoja kati yabo alinikatala. Je me suis retrouvé en train de vivre avec 16 mamas mariées. Nilikuwa naishi na bamama 16 benye beko kundoa. 32 filles dans l'église. Na banamuke 32 bamkanisa. Quand je voulais prêcher, je n'avais plus l'onction. Wakati nipenda kuhubiri shukwe tena ile upako. Quand j'ai sauté, c'était kuluka ilikuwa tu ni dessin animé. Il n'y avait plus rien. Hakukue kintu.
Alors le pasteur me dit ceci. Na ule mchungaji ananiambia hivi. Juu ya nini mimi nakuwa kukuona? Je sais que j'ai atteint le niveau où Dieu peut me tuer. Mimi nashika sasa mimi nafika mkipimo kwenye Mungu anaweza kuniua. Il va te tuer comment? Atakuwa je? Il me dit imagine toi nous sommes dans une prière. Mosa tazameni tuko mumakesha ya maombi. C'est moi qui dirige la veille. Na mimi ndio nikuongoza maombi. Je donne le sujet de la prière. Mimi naleta kishina ya maombi. Pendant que les gens prient. Wakati wengine biko naomba. Mimi nabeba dada moya. Nous allons au bureau. Tunaenda mu office. Nous pêchons. Tunatenda zambi. Les gens sont en train de prier. Bantu biko naomba. Nous pêchons. Tunatenda zambi. Oui, je sors. Na pale mimi natoka. Mimi napika mikono. Je dis à moi. Je dis, vous n'avez pas encore prié. Aujourd'hui, nous allons prier. Léo, tout à omba, Léo. Je donne un sujet. Mina leta kishina kingine. Je prends une métisse. Mina beba mzungu moi. Nous allons au bureau. Tunaenda ku office. Alors, pasteur. Chungaji. Quand je suis arrivé à ce niveau. Wakati milifika moile kipindi. Il y a un garçon qui m'a dit. Kuna kiana mwana nyambia. Il y a un frère qui donne un séminaire sur le campus. Kuna dal nduku moi kuna leta mafundisho kule ku campus. Allons l'écouter. Tunye tukamushikie. Wakati nilikuwa mimi nakushikia. M'aider. Leo asema unaweza nisaidia. Mchungaji unisaidie huko. Mimi nilikuwa kijana mwenye shukujue banaume. Bile biote mimi nakwambia mimi nilibifanya mu Yesu. Alors je lui ai dit nous allons prier. Mimi namwambia sasa tutaomba. Mes amis. Bandugu yangu. Pendant qu'on priait. Wakati tulikuwa naomba. Puisque moi. Jumie. Mina pataka maonyo sana. Mukufunga tu mencho hivi. Wakati tuku naomba. Munaona ba mama ba navalaka mbio kiasiri mansaka. Beko na cheza. Beko na mchezea kupembenya ule pastori. Na beko na mufansha mambo mwa fulani. Wakati mina muambia ile. Na Mungu ananiambia. Ukiane kumbele yako. Est un fruit de l'inceste. Ya nakuwa tunda ya uzinifu. Sa maman. Mama yake. A couché avec quelqu'un de son propre sang. Arisharatika na mtu moyo wa damu yake. Et ils l'ont mis au monde. Na yeye balimuzala. Et Dieu est venu confirmer ça puisque j'avais appelé sa maman. Na Mungu alihakikisha njoo nilimuita mama yake. Sa maman nous a expliqué comment il l'a mis au monde. Na mama yake alitufasilia jinsi gani alimuzala. Donc le pasteur là, il est qui? Ule mchungaji yuko nani? Il est le fils d'un grand chef, un très grand chef de ce côté ici. Anakuya mtoto wa chef kutumie mwa nguvu sana huko. Son père avait 8 femmes. Na baba yake alikuwa na babibi 8. Et il avait des enfants 64. Na alikuwa na batoto 64. Maintenant, lui le frère là. Na yule nduku. Le frère lui. Ule nduku. Il est né comment? Alizali kwa je? Quand son père. Wakati baba yake. Grand chef. Ule chef kubwa. Devait devenir grand chef. Alipasha kuya chef. Selon leur coutume. Kuambatana na asili ya kwao. On doit l'amener. Banapasha kumuletea. Dans une rivière. Banapasha kumupeleka mumai mwa fulani. On a l'habitude d'enterrer tous les grands chefs de leur tribu. Kule banakuwa na zoezo ya kujika bakubwa bote ba mukizazi kyabo. Alors on doit l'amener là-bas à minuit. Banapasha kumpeleka kule muminui. Et sa maman doit venir. Na mama yake anapasha kuya. Anapasha kutosha mavazi. Et avoir des rapports sexuels dans la rivière. Na kupata kupatana kwa mwili ndani ya ile mai. Et la mama sort. Na wakati mama natoka. Elle ne verra jamais son fils grand chef. Ashita monaka kamwe ule mtoto yake chef. Le jour où elle le voit, le grand chef doit mourir. Siku ambayo ule mtoto ule chef ataona mama yake atakufa. Le pasteur là dont je vous parle. Na ule mchungaji ule mimi namwambia. Il a été conçu. Na alizaliwa. Lors des rapports sexuels. Kati ya kupatana. Entre sa mama. Kati ya mama yake. Qui est en même temps sa mama nkambo. Kati ya nkambo yake. Sa mama qui a couché avec son propre fils. Mwenye alipatana na mtoto yake mwenyewe. Maintenant, dans les rapports là. Mwenye mapatano. C'est alors qu'on a conçu notre fameux pasteur. Njo kule kulitoka ule mchungaji wetu ule. Donc le pasteur est entré dans le ventre. Na ule mchungaji aliingia mwa ile tumbo. Quand un garçon couché avec son propre sa propre mère. Wakati kiana moya alikuwa na sharatika na mama yake wa kumuzala. Bon, il est né. Anazari kwa ye. Apparemment, il n'a pas vécu de problème. Yeshu kuishi lwake mamambo. Il n'a jamais connu de femme jusqu'à l'âge de 17 ans. Akupataka banamuke paka na aja 17 ans. N'est-ce pas une marche de sanctification? Pale shukutembea kwa utakaso. Et puis, à 17 ans, il s'est converti au Seigneur Jésus. Mu 17 ans, na muyua bwana Yesu. Quelle
gloire. Et puis il marche encore jusqu'à 27 ans sans toucher la femme. Anatembe atena mpaka 27 ans bila kugusa mwanamke. Consacré pasteur. Anakuwa mchungaji. Il marche encore 5 ans de pastorat sans bêtise. Anatembe atena bila mabizuizo. Quand il arrive à la 5e année. Wakati anafika kumiaka ya 5. L'hôtel. Mazabao. De sa mère. Ya mama yake. A commencé à le réclamer. Inaanza kumuita. Commencer à le réclamer. Inaanza kumuita. Toi, tu n'es pas pasteur. Wewe una mchungaji. Wewe uwe tuwe. Toi, tu es le nôtre. Tu ulikuzaria ni mumai. Tu as été enfanté dans l'eau. C'est dans l'impudicité que tu es venu. Là où tu pars, c'est pas nous là. Reviens ici. Reviens ici. Reviens ici. Ça va te réclamer, t'attirer petit à petit. Et toi-même, tu te rendras compte. Regardez la bière que tu as abandonnée. Regarde comment tu commences à prendre. Ça va t'attirer. Si tu n'as pas renversé l'hôtel, tu retourneras seulement à cette idiotie de la famille. On a commencé la délivrance. Et ce garçon. Je m'excuse. Na munisame. Et on a dégagé mastico, mon organe sexuel. Mon délivrance. Et on a toqué bivignon. On a toqué bivignon. On a toqué bivignon. Amir pika pika chini we tena na yamba se depuis mi dani naka shi anguka me mina shanga leo vile mina lambula bulongo mina sema inyangare we njo kubaba se we njo kunyambia unafika mu bulongo je ke ya mu 2002 depuis 2002 na leo jusqu'aujourd'hui où le pasteur a anguka. Et le pasteur là n'a jamais connu l'impudicité. Et son église, hein? C'est ça. Il y a un pasteur qui critiquait ses enseignements. Na ule pastra suwe nule. Ego na sema mama mbotu. Un jour il a pris la femme de Libanais. Papa, est-ce que tu peux me faire la délivrance? Mina c'est caca. Moi qui raconte des histoires. Mina c'est maga mamambo. Dio mana Leo. Tunapenda kuvunja mazabao. Donnez-moi quelques minutes. Mon épatier go tout dakika kiloko. Mina ndaga ku kipushi niko mbali. Mina kwata na batoto yangu hapa. Ninjo mina inaweza kuwa na sababu ya kwenda mbio. Pourquoi je peux te prêcher sur les hôtels? Ça ne peut pas m'aider. Pour que les PC puissent t'aider, il faudrait que nous puissions prier. Le temps qu'on va commencer à prier, la puissance du Saint-Esprit descendra. Ça va commencer à renverser les hôtels. Et dans les hôtels. Les histoires ancestrales. Ça a tellement duré. Aujourd'hui. Ça va sortir. Même si tu viens d'une famille. Là où il y a des réclamations, il y a l'esprit des morts. Et là où vous êtes restés deux ou trois. Vous posez la question qui va partir ce tour. Je veux vous dire à Moutakoufoua. Vous ne mourrez pas. Nous allons appeler Jésus de Nazareth. Vous va renverser. Ataboulou Moucha.
Même si tu es un homme pudique en retard, si tu es sérieux aujourd'hui, l'impudicité va rester ici. C'est moi qui te le dis. Le fétiche de chevaux là, Jésus va entrer, il va déraciner et là il va te poucheter. Alléluia. Amen. À ton âge, est-ce que le choriste peut venir? Si je te détache, ton bras dessus et tu me demandes de m'abandonner, je ne sais pas pourquoi. C'est ça où tu n'as pas connu. J'aime moi-même entonner mes chants. Même si Michina est chanteur professionnel, attaque à ma Michina chanteur. J'aime Kubim parce que tout bien tu bien qui sait Dieu. Du moins, ma mime, ma français, mon atout engagé ça. Un carré, trois carrés à canis à Isema qui est anglais. Mais mime, il faut que tout, pas quoi. Mon atout. Tu vas prendre mon fait tout de suite. Tout le monde est là qui sait Dina Bamba Kamuchima. Vous n'avez pas mon nom, je suis à Kuli ko upaka mutu yu tu yu. Mimi bila ya mangre longo mimi abinifanya kintu. Mimi nipaka imakira imwane. Kile ni kumule ndani. Mimi na yake ba imwane ni kusema nini? Bo sasa kama unaniingisha kwa forever. Bale bego nasema forever bego nibishikia mimi longo hapa. Hallelujah. Amen. C'est pourquoi mi tatuma imwimba. C'est pourquoi moi je vais entonner ces chants. Si je l'entonne en chiluba, vous pouvez répondre ça en chiluba. Si je l'entonne en swahili, vous pouvez répondre en swahili. Moi j'aurais voulu unashimama. Mi tapendelea mushimame bwima. Tu as tes yeux fermés. Pourquoi tu as fermé? Pour que tu ne sois pas distrait. Que tu sois concentré. Et là, je ne veux même pas parler le signal pour entrer dans la prière. Tu chantes. Tu sens que tu veux maintenant prier. Arrête de chanter. On commence à prier. Et là, nous allons claquer nos mains. Ne laissez pas aux instruments parler. Vous voyez les églises qui croient dans des instruments. Le jour qu'il y aura coupure, vous vous rendrez compte que Dieu lui-même est parti. Les instruments peuvent chanter, toi aussi tu claques tes mains. Mikono. Twende na mikono. Sina na baba, sina na mama. Mikono Yesu wangu, mchungaji wa moyo wangu. Sina na baba, sina na mama. Lelele. Oh, mchungaji wa moyo. Sina na baba, sina na mama. Mikono Yesu wangu, mchungaji wa moyo wangu. Sina na baba, sina na mama. Lelele. Sina na mama, niko na Yesu wangu, mchungaji wa moyo wangu. Sina na baba, sina na mama, niko na Yesu wangu, mchungaji wa moyo wangu. Kabai mwana zambe, mchungaji wa moyo wangu. Kabai mwana zambe, Goodbye, Mwana.
d'accepter de jouer. C'est que ils nous ont promis de l'argent pour qu'on joue à des jeux. De l'argent? Oui, ils nous ont dit qu'on recevrait des dizaines de milliards de won. D'accord. Alors faisons un petit résumé pour que ce soit bien clair. Des gens vous ont promis des milliards de won pour jouer à un jeu et vous y êtes arrivés. Et quand vous êtes arrivés là-bas, vous avez joué à 1, 2, 3 soleils et ils ont tué les perdants. Mais quand vous avez dit que vous vouliez partir, ils vous ont laissé partir et vous ne savez ni à quoi ressemblent ces gens, ni où se trouve cet endroit. C'est bien ce que vous me dites là. C'est ça. Vous vous appelez comment? Seong Ji-hoon. Je viens à San Mouton. Seong Ji-hoon. On vous a placé sous tutelle. Si vous avez besoin d'aide, vous contactez une institution médicale qui va vous prendre en charge. Non, je suis un citoyen adulte qui paye ses impôts. Mais pour qui est-ce que vous me prenez, enfin? Ils m'ont donné un numéro de téléphone. Vous avez qu'à appeler et vous verrez.